reçois la puissance de Dieu. Et je commande aux esprits de te libérer au nom de Jésus. Et donc le fait que je l'ai touché, c'est l'esprit de mort qui se manifeste. Mm-hmm. Donc comme il est net, c'est-à-dire que dans le spirituel, il y a déjà un problème. Commander ce moment important au Seigneur afin que Dieu puisse nous faire du bien. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Grand Dieu, tu es Hachem, le Dieu des Hébreux. Merci d'honorer de ta présence. Assiste-nous encore en déployant une forte onction. Utilise ma personne. Je te prie que ma personne, mon âme, mon esprit, mon corps, ma bouche, parle à chacun d'entre nous. Fais-nous du bien, Seigneur notre Dieu. Merci de guérir, d'opérer les grands miracles ce matin dans cette salle. Amen. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.
remercier à l'église, n'est-ce pas, qui a soutenu ce groupe-là. Ouais, mon frère a eu un incident, une maladie. Nous avons prié le Seigneur et celui que son nom soit glorifié. Il a eu plus de peur que de mal. Oui, valeur plus. Parce qu'on a appris, on était tous choqués. Nous avons été tous choqués parce que c'est important pour nous. C'est un frère que nous aimons. Voilà un frère que nous aimons dans la foi et tout ça. Venir apprendre. Pour nous, ce n'était pas une bonne nouvelle. Nous avons l'habitude d'apprendre des bonnes nouvelles. Ce n'était pas une bonne nouvelle. J'étais obligé de suivre tout ce qu'on appelle la rencontre. Et nous sommes allés à l'hôpital. N'est-ce pas, soutenu le frère en prière. Et par la grâce de Dieu, il est sorti de l'hôpital. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Franchement, je demandais à Jésus merci aussi à l'église. C'est ça l'amour fraternel. Quand ton frère a des problèmes, il faut faire ça comme pour toi. Voilà. Ni pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Quand Satan m'a expliqué les conditions dans lesquelles le frère a été, j'ai dit non, ça c'est une attaque. J'ai été moi-même personnellement affecté. J'ai dit non, il faut que Dieu intervienne. Amen. Il faut que le Seigneur intervienne. Et nous sommes allés à l'hôpital. Je suis rentré, j'ai vu le frère qui souriait avec moi. Et j'ai prié pour lui. Et quand j'ai prié pour lui, ça n'a pas fait deux minutes. Le médecin devant lui, le médecin lui le prend pour dire allons faire scanner crânien. Oui, j'étais là, j'ai dit, mais je vais me demander comme depuis ils n'ont pas encore fait. Il dit non. Depuis que les signes, ça faisait deux jours qu'on n'avait pas encore fait les scanners. Parce qu'il est tombé par la nuque, le frère est tombé par la nuque, il a perdu connaissance. Il faudrait que j'explique ça un peu à l'église. Et donc, merci aussi pour sa femme qui a été vraiment forte aussi, jusqu'à venir nous, parce que ces moments-là, c'est des choses qui déboussolent. Ça peut arriver à tout le monde, voilà. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, parce que c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que quand un frère est dans les difficultés, il faut le soutenir. Amen. Ouh, nous ne sommes pas Dieu. Tout peut arriver à chacun d'entre nous. Tout peut arriver. Alors, quand ton frère vit des moments difficiles, il faut le soutenir. Voilà, il faut le soutenir. Voilà, donc, gloire soit rendue au Seigneur que le frère aujourd'hui soit sorti de l'hôpital. Frère, l'hôpital, c'est l'ombre de la vallée de la mort. Vous connaissez l'ombre, non? L'ombre, c'est pas toi, mais c'est ton image. C'est l'image de la mort. Ça dit, c'est quand on dit tu sors, gloire à Dieu. Amen. Je me souviens, je devais aller à l'ONU. Je suis allé deux fois, je suis rentré deux fois à l'ONU, l'Organisation des États, l'Organisation des Nations Unies. Voilà, donc il fallait. Je suis allé faire mon check-in, c'est-à-dire un bilan de santé. J'ai fait 8 heures, on m'a mis en clinique, cœur, les appareils, c'est quoi ça? On prend 4 fois plus de sang pour savoir de quoi je suis 4 fois. Et je suis sorti de l'hôpital. Donc, les médecins m'ont dit, tu es sorti d'ici, c'est que c'est bon. Et chaque 30 minutes, j'étais pathétique. Il y a un policier qui vient enquêter comment tu te sens. Oui, dans la clinique. C'était professeur à l'université. J'étais dans l'état de Maryland. On m'a amené pour checker. Ils m'ont mis dans un pareil. Ils voient mon cœur. C'est comme 5 ans. Il dit, mais il faut quoi là? On met des pubs pour voir mon cœur, comment mon cœur fonctionne, comment mes reins fonctionnent, comment mon sang. Et pendant 8 heures du temps, je suis sorti de la clinique, rien, voilà. Et ça, je grossissais, tout le monde dit, fais attention à ton poids. Ça, ils m'ont dit déjà, fais beaucoup de sport, tout ça. Et les médecins ont dit, tu sors d'ici, on t'a laissé ce qu'il n'y a rien. Moi, je lui ai dit, j'ai dit à ceux qui m'ont accompagné, si quelqu'un vient ici, c'est son jour. C'est-à-dire, c'est pas comme nos cliniques, nos trucs de blé. Tant que tu rentres, tu as peur. Tu vois le lit, tu vois la mort. Tant que tu vois le médecin avec ses reins, tu as peur, tu sais que tu vas mourir. On vient te parler gentiment. Et après ça, un policier vient te demander comment t'as traité. Je suis choqué. Le policier fait l'enquête sur la clinique. J'ai dit, mais donc ça existe. J'ai dit, quoi existe? Chez moi, quand tu rentres au cœur bas, tu as parlé avec ton cœur bas, tu te demandes si tu vas retourner. Parce que le lit même est bizarre, ça fait. Le lit.
Le lit me fait coincer. Le lit sur lequel tu dors, ça fait bruit. Ça veut te dire, mon frère, si tu es sorti de là, c'est un miracle. Amen. Donc là, là, on est à l'hôpital. Quand tu apprends que quelqu'un est à l'hôpital, tu pries pour lui. Parce que frère, mine de rien, il peut avoir une maladie connue. Et puis un le diable peut l'attaquer. Parce que c'est l'endroit où le diable attaque le plus. Et c'est l'endroit où les mystiques œuvrent le plus. Pour qu'on dise non, le médecin, oh, c'est pas question de médecin. Le médecin, je crois même, ils sont choqués d'apprendre que le monsieur qui était venu, tu l'as guéri, mais il est mort. Alors quand tu apprends ton frère à l'hôpital, je comprends les gens. Frère, quand quelqu'un dit à l'hôpital, peu importe le mal qu'il a, le fait qu'il soit à l'hôpital déjà, priez pour lui. Les médecins ne font que soigner, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Eux-mêmes, ils savent qu'à un moment donné, il reste bouche muette, c'est-à-dire bouche bée face à la situation de d'autres personnes. Que Dieu soit béni. Amen. Pour le miracle qu'il a porté à notre bien-aimé. Voilà, et merci à l'église, c'est ça. L'église s'est mobilisée. Nous sommes tous allés. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est rentré. Après sa femme, je suis rentré, je l'ai vu. Et j'ai rassuré l'église. J'ai rassuré tous ceux qui étaient dehors pour dire ça va, il parle déjà, il se souvient, il parle. Et ça, voilà. Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pour ça que quand vous êtes dans cette église, amen. Intégrez-vous. Intégrez-vous. Dites que vous êtes là. Et quand c'est comme ça, votre problème devient le problème de l'église. Et ça, c'est important. Ne soyez pas souvent les gens qui viennent du passage. Une église, c'est toute une famille. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Alors, je suis content de le voir retrouver sa place. Même s'il y a des petits séquelles, ce qu'il a commencé, il va acheter. Dis à quelqu'un, ce qu'il a commencé, il va terminer. Voilà, c'est comme ça qu'il a dit amen. Sinon, j'ai vu les messages, j'ai dit, oh, j'ai un peu banalisé. On dit l'amour était, j'ai banalisé parce que là où il était vu, si tu es sorti de là, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Là où j'ai vu, si tu es sorti de là, gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu achèvera le travail qu'il a commencé déjà dans ta vie. C'est ça qui nous réjouit. Si on a Dieu, on est en paix. Peu importe l'information qu'on reçoit, souvent ça triste, ça dit, toi-même tu sais que c'est impossible, mais comme avec Dieu, tout est possible. Dis à quelqu'un avec Dieu, tout est possible. Ça va? Dis à quelqu'un, tout est avec Dieu, tout est possible. Voilà, je suis content pour le frère. Oh, tu as une femme, un père, mais. Quoi, tu l'es? Tu étais du bleu ici. Oui, oui. Il y a quoi? Ils vont m'aider à l'hôpital. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça, soutenir. Gloire à Dieu. Amen. Ah, viens ici, viens ici, viens ici. Vous connaissez ce monsieur? Oui. Wow. Le monsieur est un miracle. Amen.
Il est venu, le frère, il est venu, il ne marchait pas. Il respirait à peine. Et chose bizarre, c'est qu'on le massait tant. Il fallait le faire quoi? Le masser. Jusqu'au pied pour qu'il soit. Pour qu'il respire un peu. Sa respiration était bloquée. Alors quand je rentrais dans la salle, le dimanche passé, avant que je lui passe la parole, je vais expliquer d'abord. Quand je rentrais dans la salle, je l'ai d'abord vu à gauche, étendu sur un matelas. Donc j'ai dû poser la question, il ne peut pas s'asseoir. Il ne peut pas s'asseoir, il ne peut même pas s'asseoir. Et il ne faisait que gémir. Ok. Je suis allé m'asseoir. Et tout ça, donc l'heure de la prière, on a commencé à prier. Le cœur que j'avais, c'était, je voulais foncer sur lui, et puis le Saint-Esprit a ramené mon pied. Vous savez, je vais vous expliquer dans mon message tout à l'heure, vous allez comprendre ça. La guérison ne dépend pas des crassons. Amen. Vous comprenez? Amen. Non, non, non. Je ne suis pas l'homme le plus fort. Non, non. Ça dépend de Dieu. Amen. Qui décide de guérir qui veut. Amen. Et avec qui il veut opérer ce miracle. Amen. Donc je le regarde, je tourne, tourne, tourne. Je ne reçois rien de la part de Dieu. Je ne reçois pas de message. Ok. Donc, en même temps, on a eu l'information du frère Tia et tout ça. Paf. Donc, je suçois tout. Du coup, j'ai dit non, je ne reçois plus les gens parce qu'il y a une urgence. Il y a un frère qui est touché. Je dois courir vers l'hôpital et le faire sortir de là. Amen. Parce que moi, c'était ma prière qui sort de là. J'ai dit, hey, frère, sors de l'hôpital. Au nom de Jésus, sois de là. Amen. Et c'était ma prière. Je suis allé le toucher. J'ai prié. Je t'ai fait sortir de là. Amen. De la même manière que Jésus a fait sortir Lazare du tombeau pour dire, ta place n'est pas ici. Sors. Et c'était ma prière au nom de l'Église, au nom de Jésus. Je viens unir avec l'Église. Je prie que ce frère que je touche maintenant sorte de l'hôpital. Amen. L'urgence, il est sorti un jour après. Gloire à Dieu. Amen. Le lendemain, par la grâce de Dieu, il est sorti de l'hôpital. Non. Le frère, quand je recevais rapidement, parce que j'avais donné rendez-vous à des gens, des enfants, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas laisser ce monsieur. Dans mon cœur, dit le cœur que j'ai, je ne laisserai pas ce monsieur. Tu dis quoi? Il dit, ok, touche. Ça veut dire quoi? Il m'a dit, tu veux le guérir. Voilà, c'est ça la fin de la chambre. Voilà. Donc, du coup, je dis, ok. Je le regarde, Dieu me dit, il est, c'est fini, il est parti. Ça dit, il est parti sur le plan, c'est fini. Voilà, il est parti. Mais c'est moi qui donne la vie aux morts. C'est moi là qui donne la vie au monde. Vous savez, les gens qui ne vous aiment pas vous dénigrent, qui vous insultent, ils vous traitent de tous les noms, comme ça, comme ça. Les choses s'est passées devant tout le monde ici. Est-ce que toi, moi, je le connais? On se connaît même pas. Je ne le connais ni Tata, ni elle, je ne le connais même pas. Mais moi, dans mon ministère, j'ai plus pire de ça. Ça, pour moi, c'est un petit problème. Il fallait que Dieu me parle pour rentrer en action. Amen. Alors quand Dieu m'a parlé, je suis allé lui dire, est-ce que tu veux guérir? Oui. Et donc il a la foi. Et puis il me disait, Jésus, je vais toucher. Et quand je lui dis, lève-toi, marche, quelque chose qu'il n'avait jamais fait pendant des jours, il a commencé à rouler. Amen. Et je lui ai dit, tu reviendras. Tu sais pas ce qu'il a dit? Dimanche, tu vas venir en témoignage. Là, là. Amen. C'est pas ça? Hein? Et en témoignage. Amen. Bon. Tu vas venir en témoignage. Amen. Ce n'est pas un travail qu'on va terminer. C'est le travail, c'est le témoignage que tu vas venir rendre. Amen. Comment vous le voyez? On va mieux, donc il y a quelques jours. Comment il était, quelques jours, comment il était? Il était mal. Donnez le micro, il était quoi? Non, là, il y a confiance. Hein, donc, non, comment il était avant? Est-ce qu'il marchait quand vous l'avez envoyé? Il marchait un tout petit peu, mais pas trop longtemps. Oui, il s'est déplacé à peine. Doucement, mais à la station assise, pas trop longtemps. Ouais. Comme là, il demandait, et pour ça, je me suis dit, ça, ça n'allait pas plus simple, il faut rester assis. Donc, au départ, ça n'allait pas du tout, c'est ça? Oui, et puis je l'ai vu coucher. Voilà. Ni assis, ni assis. Et la station était à l'arme, c'est ça? Parce que le médecin a dit quoi?
Est-ce qu'on m'avait dit quelque chose quand même, Vincent a dit... Ben, au niveau clinique, tous les diagnostics de la vie des médecins se disent par le système de visée, ça peut être normal. Hein. Mm-hmm. Mais on ne comprend pas ce qui se passe. Écoutez, vous êtes africain, le spécialiste qui avait vu ça, lui avait dit que je suis africain, moi aussi. C'est comme un clin d'œil, il faisait regarder une autre réalité. Il dit allez dans la spiritualité. Regardez autre chose. Hein? Allez chercher vos solutions. Quelque part, sinon, physiquement par là, on ne voit rien. Physiquement, on ne voit rien, mais le problème est plus spirituel. Voilà, demander à la grâce de Dieu. Amen. Et du coup, vous avez... Oui, c'est la soeur qui a dit il faut qu'on batte pour que Dieu du prophète Kassor intervienne dans sa vie. Voilà. Elle dit, je sais que le Seigneur peut passer par son serviteur. Et ça, je précise très bien, Dieu passe par quelqu'un. Voilà, sinon, ce n'est pas le prophète Crasso, Dieu passe par quelqu'un. Effectivement, mon patron, c'est Dieu. Donc, comme c'est moi qui, le Seigneur a utilisé, vous dit dans mon témoignage qu'il fallait attendre le OK de Dieu. Et souvent, ça fatigue les gens, ça les fatigue leur esprit. Pourquoi le prophète il néglige? Pourquoi? Parce que vous avez appelé plus de deux fois mon épouse, elle est venue me le dire. Vous savez, ça ne se négocie pas, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas qu'elle va négocier. Ah non, Jésus, la maman de Jésus, on dit, mais Jésus, ils n'ont pas de vin à manquer, ils vont manquer de vin. Jésus dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Il y a une heure de Dieu. Alors, quand on est dans le prophétique, on sait. Donc, nous, on ne rentre pas dans cette histoire d'émotion. Oui, parce que humainement parlant, on aimerait intervenir. Mais il est l'heure du Seigneur. Et ça, c'est très important pour ceux qui sont dans un ministère prophétique, doivent comprendre que cela ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui décide du moment où il doit intervenir. Et ça a fatigué les parents de Lazare. Ils ont dit, mais pourquoi ces ménés, ils viennent? Pourquoi ces ménés, ils vont intervenir? Parce que le pire est déjà là, encore grave, c'est qu'il en a enseveli, puis il est décomposé. Alors donc c'est là que Dieu intervient le Seigneur. Donc moi j'attendais, tout le monde est parti, la plupart du temps les gens partaient, et c'est en ce moment-là que le Seigneur lui va vers lui. Donc j'ai senti, moi-même j'ai senti une force descendre à moi. Et ça, pour quelqu'un qui est habitué à l'onction comme moi, je sais que c'est le temps où Dieu veut le guérir. Et ça ne se discute même pas. Je discute même pas avec ça, il dit, lève-toi et marche, va. Il a commencé à courir, il a commencé à venir. J'ai posé avec d'autres personnes qui me disaient eux-mêmes difficilement, ils ne croyaient pas que le gars est guéri. Oui, il y a des gens, mais c'est comme ça, il dit, mais quand ils voyaient la situation, parce que le gars, il hurlait pratiquement. Il était dans le couloir là-bas, il pleurait comme un gamin, il pleurait parce qu'il sentait tout et tout ça. Et quand je l'ai pris, parce que pendant qu'il courait, je sentais qu'il avait des esprits encore en lui. Et quand il est venu vers moi, le Saint-Esprit me touche. Paf, j'ai senti pouf qu'un esprit qui est parti. Trois fois. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a chuchoté trois fois. Je lui ai dit non, c'est fini, la vie est revenue. Les esprits sont partis. Et Dieu a guéri, c'est fini. Matière qui a fait ça. Amen. Amen. Amen.
préfère qu'on revoie Jésus puissamment à l'œuvre dans ta vie. Amen. Oui, quand Jésus prenait la salive, il touchait les yeux, c'est pas la salive qui a guéri, c'est le guérisseur qui a guéri le malade. Amen. Je veux que les gens soient focalisés sur le miracle que Jésus et ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Où est mon truc Sakasaka? Ça viendra quand? Mon Sakasaka. Ils disent que l'homme vient nous tuer, c'est le Sakasaka. Et ils dolaient, ils disent que non, c'est pas une dolée, c'est le Sakasaka. Hein, c'est toi, Emmanuel? Quoi? Bam! Mais c'est dans. C'est dit, mais vous savez ça. C'est ça, là, c'est fort, hein? Je vous assure que faire du manioc, c'est la meilleure nourriture. Non, c'est la priorité. Il y a tous les dents, ça lui fait. J'ai pas mis à danser. Parce que tu viens de très loin. Chez nous, on dit la bozzi. On dit la bozzi, là, ça dit les forts. Ça dit l'expression des trucs. Il est fort, la bozzi. Ma I'm gonna
Amen. Dieu, quelqu'un, Dieu merveilleux. Dieu, quelqu'un. Nous allons faire quelque chose. Nous allons faire. On se tient debout. On se tient debout. Vous savez, Bougnon, chez nous, on mettait, vous savez, diable. Nous avons lié à jamais ses yeux. Je vous disais dans ma prédication de mon homélie dimanche, j'ai dit si Dieu est quelque part dans un endroit, ce qui est impossible, il rend ça possible. C'est comme ça. Amen. On ne peut pas être dans une église vivante, prêcher la parole de Dieu, et puis telle situation, on s'est présenté à Jésus, et parti comme ça. C'est possible. Jésus-Christ, après avoir prêché l'évangile, il voyait les gens dans la synagogue et l'église. Amen. Là où Dieu est présent, toute situation impossible, il rend ça possible. Vous pouvez ne pas aimer le prophète Crasso, mais ça, ceux qui étaient là, ils savent que ce n'est pas un montage. Vous voyez tout comme montage, comme vous nous laissez sortir. Vous voyez tout comme montage, vous voyez tout comme Anna, vous voyez tout ça. Mais comment vous être diable jusqu'à ce moment? Amen. Vous voyez tout, vous allez tellement que vous êtes négatif, vous pensez que les gens sont pareils comme vous. Vous voyez, non, c'est les gens, c'est quand on fait un négatif, tu penses que les gens sont pareils comme toi. Le monsieur a été miraculeusement guéri. Tu penses que ça, il a pensé à vous, il le voici aujourd'hui. Je lui ai dit dimanche, tu serais là pour moi le témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Je ne suis pas la première fois que j'assiste les miracles de Dieu. Je vous ai dit, c'est parce que Jésus fait des miracles que je le sers aujourd'hui. Amen. Alors, si je ne faisais pas des miracles, je ne pourrais pas le servir. Je n'aimais pas pour lui. Et ça, c'est mon message aujourd'hui, c'est mon message, je suis en train de parler, c'est les dons spirituels. Et toi, tu vois, tu n'as pas de miracle. Dis amen. Amen. Toi, tu n'as pas de visitation du Saint-Esprit. Amen. Tu vas vous visiter aujourd'hui. Amen. Tu vas vous visiter. C'est une question de foi. Et effectivement, quand j'ai regardé le monsieur, quand je l'ai vu, sa déclaration de foi, ça dit, ça m'a mis dans une position, il dit, oui, je sais que Jésus va me guérir. Amen. Ça a dérangé beaucoup de choses à moi. Vous savez, quand Dieu me guérit, il te demande quelle est ta position vis-à-vis de Dieu. Il a dit à Batimé, qu'est-ce que tu veux? Je veux guérir, qu'il cela soit fait selon ta foi. Amen. C'est pas une question, c'est ta foi qui peut te positionner dans une guérison. Amen. Si tu ne crois pas, tu ne verras jamais Dieu. Jésus ne faisait pas de miracles à Nazareth parce que les gens ne croyaient même pas en lui. Comme ils l'ont vu, comme on dit à Nazareth, ils l'ont vu, ils ne croyaient pas en lui, il n'a pas fait de miracles. C'est l'endroit où Jésus n'a pas fait de miracles. À Nazareth, parce que les gens croient en lui. Si tu crois en Dieu,
tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. On dit amen. Amen. Dis à quelqu'un aujourd'hui est un jour important. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Nous sommes dans le mois de décembre et nous bénissons le nom du Seigneur pour les 11 mois passés. Oui, parce que aborder une année n'est pas une chose facile. Non, ce n'est pas une chose facile. Amen. Souvent tu te réveilles et tu l'esprit fou. Et tu as envie de boire. Mais tu sais pas où ton esprit est parti. Ils ont fatigué ton esprit. Ils ont mis des pièges pour prendre. Tu dis, toi tu dors, tu te retrouves dans un endroit bizarre. Tu dis, mais moi, mon esprit fou, mon appart. Dans la bourse, là-bas, ça fout qu'on l'a. J'ai abouti ou bien. Je suis derrière la maison, j'ai fou qu'on l'a pas. Oh, tu as Paris, tu as Niro, ton esprit est dans les coins bizarre. Tu te réveilles, tu dis, mais mon âme fou qu'on l'a pas. Combien de fois l'ennemi a tendu des pièges? Combien de fois le diable a tendu des choses? Souvent les gens disent là, ça existe, le monde spirituel, vous savez, c'est le spirituel qui fait le monde visible. C'est le spirituel qui fait le monde visible. Sans le monde spirituel visible n'a pas de sens. C'est pour ça que quand vous commencez la journée, démarrez avec Dieu. Il y a l'alpha et l'oméga. Ah oui, quand je dors, on me pousse en arrêt. Tu pries avant de dormir, non. Mais tu t'attendais à quoi? Ils vont te pousser comme hérisson. On fait une bonne sauce, et n'est-ce pas, copain. La sauce, merci. La sauce copain, c'est la sauce bombo frais qu'on coupe bien, qu'on laisse bouillir. Maintenant, si le gars il veut bien faire la chemise, un peu de cola là dedans. Ah! Et puis même une rouille dedans. Ah, c'est grave. Donc, souvent, les gens font réunion sur toi pour dire comment ils vont te manger. On dit lui la façon, sa tête est là. C'est un copain. Et puis un peu de cola. Un placali, ouais, pour cabato un peu pour manger ça. Que Dieu nous aide. Amen. Vous savez, vous marchez dans la rue, il y a des gens qui vous en veulent. Pour rien. Ou bien dans votre quotidien, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Non, c'est-à-dire, il faut te dire que c'est ton étoile qui dérange. Dis à quelqu'un, c'est ton étoile qui dérange. Même chacun son étoile. La Bible dit quand Jésus est né. Mais attends, héros, t'es annoncé qu'on vient de voir l'étoile d'un grand roi. Le petit qui vient de naître est entendu, il est troublé. Vous savez, votre étoile trouble les gens. Amen. Ça trouble les gens. Ah, pourquoi il me hait? C'est à quoi de ton étoile? Oui, voici l'explication. Lui, il sait qui tu es. Le problème, c'est que toi-même, tu ne sais pas ce que tu es. C'est ça. Et tu te laisses affecter parce que les gens disent. Parce que c'est ça. Elle veut t'amener à ne plus croire en toi. Or, si tu arrives au stade où tu ne crois plus en toi, tu deviens vénérable. C'est ça. C'est ça qu'ils n'écoutaient pas ce que les gens disent de vous. Amen. Croyez en ce que vous êtes. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Il faut croire en ce que tu es. Notre guide, notre père, celui qui est à la tête de l'église, qu'on appelle Jésus, quand il est né, ils ont voulu le tuer. C'est pas qu'on avait parlé. Comme un enfant, il trouve tout Jérusalem, sa naissance, c'est-à-dire les gens, il faut qu'on l'exprime. C'est comme ça que toi tu es. Dans ton service, dans ton quotidien, les gens veulent te détruire parce qu'ils connaissent ta valeur. Amen. Non, pas parce que tu es inutile, parce que tu as la valeur. Amen. Tu es important. Dis à quelqu'un, c'est parce que tu es important. Dis à quelqu'un, tu es important. Maintenant, ils connaissent ça. Ils savent où c'est dans ton parti. Dis amen. Amen. Ce sera que cette année, je vais jouer au nom de Jésus. Amen. Et que chaque jour jusqu'au 30e, Dieu nous préserve contre nos adversaires. C'est-à-dire que Dieu nous protège contre les œuvres des ennemis. Amen. Jusqu'à ce que nous rentrons en 2020. Amen. Alléluia. La Bible dit que la fin d'une chose, comme était son commencement, c'est la fin. C'est la fin.
de ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont échoué, ils vont vouloir forcément renforcer. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, dans le monde spirituel, il y a des esprits qui sont dans le tartare. Il y a des esprits qui ont une durée de vie de 2 ans, plutôt 2 mois et 2 semaines sur la terre. Ils sortent à partir du 1er novembre. C'est pour ça que la fête de la nuit, la fête des morts, ces esprits-là, ils sortent là. Ils sont dans le tartare. Et ils ne durent pas sur terre. S'ils durent sur terre, ils font beaucoup de dégâts. Voilà. Pourquoi le premier, ça nous annonce une porte. Vous savez, tout ce qui est premier, tout ce qui est premier, c'est une porte d'entrée. De toute façon, il y a la porte d'entrée de la mer. On a toujours des portes d'entrée. Le premier est une porte d'entrée. C'est pour ça qu'hier, j'ai demandé aux gens de prier et de prier pour la transition. Voilà. Le 30e, et cette nuit est importante. Nous poursuivons le mois. Vous savez, c'est ce que vous déclarez. Rien ne peut se faire sans la parole. Rien ne peut se faire, rien ne peut se faire sans la parole. Merci. Encore, c'est bien intéressant, la parole est une serviteur. Et tu ne réponds que ce que tu as accédé. Qu'est-ce que tu as dit en 2000 à décembre? Il faut parler à décembre. Parce que décembre, non seulement ça vient, mais vient avec des problèmes. Amen. Il y a les gens là, ils m'arrivent là, c'est. Il veut manger. Amen. Amen. Il veut manger, voilà. Mais tu ne seras pas dans le sens par là. Dis amen. Au nom de Jésus. Le saka-saka là. Je te fais sortir de là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on vit. Souvent, elle est raide quand tu sors de là. Tu as peur même de dormir. Le peuple, il a un bis. Toi, tu tournes dans la maison, tu dis non, il faut qu'il boive de l'eau. Parce que là où j'étais là, j'ai échappé à un piège. Il y a des gens qui se réveillent le matin, tu as écrit une fille, il boit. Parce que, la nuit, elle dort, il s'est réveillé. C'est une grâce. Amen. Dis à quelqu'un, c'est une grâce. C'est pour ça quand tu te lèves le matin, dis merci à Dieu. Faut dire merci à Dieu. C'est la nuit qui donne le pouvoir au jour. C'est la nuit. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Tout se passe dans la nuit. Si tu as pu maîtriser la nuit, tu as le contrôle du jour. Amen. Est-ce que vous savez ça? Tous ceux qui s'enfoirent, ils s'enfoirent qui se lèvent. Si tu as pu maîtriser la nuit, tu as le contrôle du jour. C'est pour ça que le diable fait que tu dors. Il te fait dormir. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, vous n'avez même pas prié 1 heure avec moi. René, si vous voulez faire des études personnelles, regardez les heures de prière de Jésus, priez toutes les nuits. Si vous voulez faire des propres richesses, quelles sont les heures stratégiques de Jésus, il priait. Les nuits. Le diable est le prince des ténèbres. Quand vous voulez rentrer dans un nouveau mois, cette transition du 30 novembre à 30e, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Quand vous abordez un mois, il faut parler du mois. Amen. Amen. Il faut déclarer que le mois de décembre est pour moi un mois de bénédiction. C'est ce qui sert. Que tu récoltes. Et encore, ce qui est intéressant, il faut déprogrammer. Rien, le hasard n'existe pas. L'incident qui devait arriver était déjà programmé. Tout est programmé. C'est une question de programmation. Le diable programme les choses. Et nous avons le pouvoir avec Christ. Les deux pouvoirs, la programmation et la déprogrammation. Vous comprenez? Est-ce qu'on a bien saisi? Donc un mois ça marche comme ça, priez pour le mois. Parce que le mois vient avec toi. Amen. C'est ça que ceux qui prient, à partir d'aujourd'hui, demain, cette nuit, priez. Priez pour cette nuit, jusqu'à ce qu'on ait 36. C'est maintenant la journée commence. Et nous sommes en train de vivre la fin d'année. Malheureusement, c'est que en fin d'année, on fait tellement qu'on se perd. On oublie de s'organiser
Et puis on trouve que l'année est devenue difficile pour nous. Prions beaucoup parce que les temps sont dangereux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux te lever un matin quand tu marches plus. Tu penses que c'est un hasard. Non, on peut te flécher mystiquement. On peut te détruire mystiquement. On peut tout peut arriver. Pendant que quand tu dors, il y a d'autres personnes qui font des incantations sur toi. Oui, elles dorment pas. Vous pensez que vos ennemis dorment? Non. Malheur pour lui à Facebook. Donc lui-même va regarder sur Facebook. Un temps qu'il a mangé, il y a des malheurs sur lui. Tu mets une photo où tu étais dans le restaurant tellement. Yeah. Il y a une image. Attends, image. Ok. Je vais lui donner maladie, on ne mange pas. Pourquoi les gens sont méchants? Amen. Je vous pose la question, mais c'est parce qu'ils sont mauvais en fait. Genre, un esprit méchant. J'enseignais, j'ai donné ma prédication à l'église de Divo. J'ai dit, j'ai été choqué dans Genèse le chapitre 6, le verset 6. La Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a regretté. Il dit, pourquoi j'ai créé l'homme? Moi, quand j'ai lu le passage, j'ai été choqué. Dieu regrette. C'est-à-dire, Dieu regrette qu'il a créé le ciel et la terre, tout ce qui. Tout était bon. Et puis à un moment, il met son regret, il dit, pour l'être humain, il n'a pas dit non, j'ai créé ça. Il dit, à cause de l'être humain, je vais détruire. Il a fait. Parce que l'homme que vous voyez, nous les êtres humains, nous sommes un danger pour la nature, nous sommes un danger pour nous-mêmes. C'est ce que j'enseigne, j'en ai derrière nous-mêmes là. Qu'est-ce qu'on fait? On détruit la nature. Aujourd'hui, il pleut chez nous, du 1er janvier jusqu'en 30. Il pleut chez nous en Afrique. Vous parlez des contacts, c'est pas avec le changement climatique. Quand il pleut, le jour où il neige chez vous, vous allez comprendre que vous allez tout casser là-bas. Mais oui, il faut protéger la nature. Mais on n'a pas ça en tête. Chez nous, on a la forêt, il faut détruire. C'est un héritage, il faut détruire. Non, c'est les choses qu'on sait aux parents. Ils savent pas. Parce que l'héritage chez nous, c'est la terre. Mais la terre, il faut la préserver, il faut garder ça. Non, non, non. Et souvent, mais les gens, ils braquent même la forêt. Ils braquent ça. Et ils s'en foutent. Des conséquences de même, ils s'en foutent. Amen. Donc, l'être humain que vous voyez est un danger. C'est-à-dire que l'être humain est créé dans le but d'appliquer la loi de Dieu. Alors, quand Dieu dit, on dit Dieu, c'est Dieu, il y a une réveil parce que les gens s'entretuent entre eux. Il y avait de la haine, il y avait une méchanceté terrible. Et il y a eu le langage des gens. Quand vous les voyez dans ce Facebook, parce qu'ils s'expriment, ils savent que vous les sorciers. Comment tu peux avoir une haine? C'est-à-dire une haine. Et tu parles. Et comme si tu toi-même, tu avais un pouvoir. C'est-à-dire si toi tu peux le prendre, tu allais le dépasser. Frère, Dieu aime être humain, vous le respectez. Pourquoi? Parce que quand Dieu créait l'homme, il a eu un conseil. Il dit, créons l'homme selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Et toi, tu cherches à détruire l'être humain. Toi, tu vas contre la volonté de Dieu. Dieu a ce pouvoir de le détruire. Pourquoi Dieu ne le détruit pas? Parce que Dieu le comprend et Dieu est capable d'aider. Amen. Amen. Ça va? Amen. Si tu peux aider quelqu'un, aide-le. M'avez saisi? On a fait une race de personnes comme le temps de Noé qui sont toujours prêts à détruire. Toutes leurs pensées, c'est de nuire. Toutes leurs pensées, ils mettent leur énergie. Et puis demain, ils sont subis de tous les malheurs. En 2015, jusqu'à il m'envoyait quelqu'un qui était malade. Un monsieur malade. Je l'ai regardé avec cancer de foie. Je l'ai regardé. Tac! Le Seigneur me dit déjà d'où venait le problème. Et c'est ça qui est très important dans le concept prophétique. Alors Dieu me donne d'où vient la chose. Je lui ai dit, tu connais un certain René? Il dit oui. À peine il parlait. Et puis il a commencé à écrire. Et donc ceux qui étaient autour de lui ont dit oui. Ok. Et puis je lui ai donné même son nom déjà. Et j'ai commencé à expliquer. Et dans mon esprit, Dieu parlait. Vous dites, ce monsieur, son frère l'a envoyé sur la France. Je n'ose pas rentrer dans beaucoup de détails parce que je présente aussi l'image des familles. Donc son frère l'envoie sur la France et son frère prend la peine de l'envoyer à l'école. Il s'est fait former son frère à la société de gardiennage, de libération. Et donc quand il a fini, éventuellement son frère avait des problèmes.
Ici, on dit quand tu as une voix, quand il change d'identité, il met son frère. C'est comme si c'était son frère qui dirigeait une autre entreprise. Donc, du coup, le frère, lui, il s'encapare de ça. Et c'est le frère maintenant qui signe son frère. C'est-à-dire son frère maintenant qui crée des problèmes à son grand frère. Donc son frère a des problèmes, il a eu AVC et c'est des morts. Et avant de mourir, il dit, c'est son frère qui l'a tué. Vous comprenez? Donc lui, il a oublié. Lui, il a oublié ça. Okay. Donc moi, je rentre maintenant dans les détails. Le gars, il vient couler là. J'ai dit, Dieu me dit, ton problème est une malédiction. Ah oui! Il y a des gens, quand vous regardez, quand vous priez pour eux, vous priez, quand ça se retourne, quand ça ne peut pas rentrer des raisons, il refuse. Parce que lui-même, c'est ce qui est là, c'est malédiction, il a peur de ça. Il y a des gens dans leur vie là, c'est malédiction. Tellement qu'ils ont fait les bizarres choses. Amen. Donc, ils le regardent. Parce qu'en tant que maman, ils ont même déjà vu, j'ai prié pour une dame qui devait mourir, qui est la belle-mère d'un footballeur international qui a été guéri sur Skype. Je l'ai seulement regardé, j'ai prié pour elle, elle a été miraculeusement guérie. Elle est même venue à Divo pour un témoignage. Et son papa qui était derrière ça, on l'a pris, il a parlé, et puis la mort est revenue dans son cœur. C'est comme ça. Retour l'envoyeur. Dis à quelqu'un, retour l'envoyeur. Retour l'envoyeur. On l'a revenu dans son cœur comme ça. Tiens. Et c'est comme ça. On a fait le retour à l'envoyer. Donc ils ont vu ça, ils ont dit, il faut qu'on prie. J'ai dit, il faut qu'ils se répandent. Dans ce qui concerne la guérison, c'est Dieu qui tient du décide. Mais il est mort après. Son âme est sauvée, mais Dieu ne voulait plus qu'il vive. Oui, parce que la misère, il a créé toute une misère à celui qui l'a aidé. Frère, c'est comme quelqu'un qui tourne de l'eau pour table. Il arrive à se désagréer à le soir et puis qu'il nous fournit dans cette eau-là. C'est l'image de cette personne. C'est comme ça que je vois la personne. Quelqu'un qui t'aime et il demande de tout le monde la personne. Vous savez, quand quelqu'un vous fait du bien et vous ne vous en souvenez même pas un instant, votre conscience est morte pour réfléchir, pour dire non, au moment de ma vie, voici ce que la personne a fait. On le fait, mais tu cherches moi. Si c'est pas maladie. Amen. Amen. Mais je ne sais pas, c'est quoi. Le monsieur qui fait du bien. Et toi, qui fais le retour, tout ce que tu peux faire, son merci à ce que j'ai détruit. Amen. Et c'est qu'un homme seul, il le. C'est pour ça que vous qui avez aidé les gens, une fois que vous pouvez votre argent, vous les avez aidés. Ça va se retourner contre vous. Ils sont contents, ça c'est un moment où ils sont contents. Mais si ça ne se met pas, vous savez, quand Dieu veut détruire une personne, il tue sa conscience. Il faut que la personne se souvienne. Tu m'as fait quoi? Il m'a fait quoi? Quand quelqu'un dit ça, c'est un diable. Même un héros qui t'a donné, c'est vous. Parce que ce jour-là, il y avait des hommes de ça. Même un héros. Il t'a donné. Amen. Amen. Donc, il y a des gens, le... Non, ma sensibilité, c'est trop. C'est pour ça que quand j'ai quelque chose qui me choque, je redresse à Dieu. Amen. La personne qui peut plus mon venger, c'est Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il dit, il dit à moi la vengeance. Dieu dit ça à lui, c'est pas toi. C'est moi de Dieu. Dieu dit ça à lui la vengeance. C'est pas ce qu'il a dit dans la vie. Amen. C'est pas ce qu'il a dit. Amen. Mais quand tu démanges, je vois. Lui-même dit à moi la vengeance. Comment il remet ça? Sinon, la vengeance, tout le monde peut se venger. Tout le monde peut se venger. Mais on a compris que Dieu lui-même dit remonte-moi ta vengeance. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Si tu as quelque chose, fais mal. Ne vous dérangez pas. Dis au Seigneur, voici ça. Parce que c'est que tu ressens, Dieu ressent ça. Amen. Vous savez ça? Amen. Non, le chapitre. Verset 4. Naum, c'est un petit prophète. Peut-être que d'autres personnes ne savent pas qu'il y a Naum même dans la Bible. C'est ça? Ceux qui ont trouvé Naum.
le chapitre 1, le verset 2 plutôt. Le chapitre 1, le verset 2. Naum, le chapitre 1, le verset 2. C'est après Miché. D'autres mecs, ça n'est pas où c'est tout Miché. Naum, le chapitre 1, le verset 2. Écoutez très bien. On vous dit, ça te fait mal, mais ton Dieu. Amen. Amen. Quand il va vouloir régler ton problème, il va le coincer sur un lit. Tu vas comprendre. Voilà. C'est là qu'il parle beaucoup. Oui. Naum, chapitre 1, verset 2. L'Éternel est un Dieu jaloux. On dit l'Éternel est un Dieu jaloux. Alors, il se venge. On dit Dieu. Il se quoi? Il se venge. Il se venge. Il est plein de fureur. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Tes adversaires sont les ennemis de Dieu. Et ici tu marches selon ma parole, tes ennemis seront mes ennemis. Donc il se venge. Allons-y. Il garde rancune à ses ennemis. Dis Amen. Amen. Il a le cœur de Dieu. Amen. Quand quelqu'un connaît bien la parole de Dieu, par moment il regarde les choses qui se passent, il est beaucoup mieux. Le fait d'être mieux ne veut pas dire qu'on est bête. Le fait d'être mieux veut dire qu'on a régné à Dieu. Amen. On dit qu'il garde rancune. Vous savez ce qu'on appelle garder rancune? Ça veut dire ce qu'il m'a fait, il est fait. Il n'oublie pas. Il va te donner monnaie par monnaie. Au moment où même comme tu es dit, tu vas comprendre, tu vas rendre un bon témoignage de l'humain que tu as fait. On dit garde rancune. Vous savez, quand on fait du mal à un enfant de Dieu, Dieu a un livre dans lequel il inscrit tout ça. Amen. On dit il garde. Quand j'ai découvert le verset, je dis, hein? Donc dans quel de Dieu on vient rentrer là-bas? Ah. Donc ça dit, par moi, il faut enlever ça dans ton cœur. Amène la rancune dans ton cœur. Dieu sait mieux que manger. Vous comprenez? Les gens sont pleins de choses dans le cœur. Ils disent non, toi tu peux manger. Dieu sait mieux que manger. Il y a des gens, les insultes, Dieu sont bien de répondre. Mais si tu veux de répondre à tout, tu ne vois bien de répondre à tout. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et là. Tu pêches une maman par an. Tu pêches. Pour éviter de les pêcher, ça fait mal. Oh, papa, souvent ça fait mal. Oui, ça fait mal. Tu me sens ça. Me remets sans la main de Dieu. Vous m'avez bien compris? Amen. Recommandez vos sorts. Il y a des choses, les bouches, ça peut tuer. C'est vrai. Il y a des choses qu'on peut faire, ça fait mal. C'est vrai. Ça fait très mal. C'est vrai. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce que Dieu te dit? La Bible, il faut recommander ça à Dieu. Si tu connais, tu ne vas pas faire du mal à quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un connaît les saintes écritures, il va respecter son prochain. Amen. Normalement, quelqu'un qui connaît la Bible, pour faire du mal à quelqu'un, il va d'abord réfléchir. Amen. Celui qui pose un acte négatif vis-à-vis de son prochain, mais il va entendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu se regroupe, c'est de reçu sur un commandement qui dit aimera l'Éternel et toutes tes pensées, c'est la même chose, hein. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout. Souvent, il y a des gens qui sont subis, ils ne comprennent pas pourquoi je n'enfante plus. Tu vas dans leur histoire, il y a des choses qu'ils ont fait, qui ont fermé la porte de l'enfantement. C'est nous qui oublions, mais les actes qu'on a posés dans nos bouches, comme on a détruit les gens, comme on a voulu faire les gens. Pour le monde, je suis content. Parce que quand quelqu'un te détruit, lui prend plaisir. Quand quelqu'un prend plaisir en te détruisant, en parlant mal, c'est un cri contre le sang, ça j'ai déjà enseigné ça ici. N'est-ce pas? Tu l'as déjà enseigné ici? Amen. Donc prenez seulement Naum, vous allez comprendre. Le livre de Naum est clair. Naum chapitre 1, le verset 2, dit Dieu se venge. Vous vous tenez pas vous venger. Amen. Et après ça, il dit, la chose qu'on dit, il garde la rancune à ses ennemis. D'accord? Que Dieu nous aide. Amen. 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 Ne répondez pas. Qui a quelqu'un ne répond pas? Tout ce que vous ressentez, frère, remettez ça à Dieu.
là, moi, il ne peut pas être dans la politique. Non. Il n'a pas fait la politique. Parce que la politique, il faut avoir quoi les gars. Il faut aller détruire le bruit, lui, comme ça. Forcément, tu vas parler, tu vas calomnier. Forcément. Tu vas parler de lui, Anna. Toi, tu es ingéré dans la vie des gens. Comment tu parles de ça? Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est répandu parce que l'être humain, à un moment donné, il est un danger pour la création, la nature même. Méchant. Et c'est ce qui a fait se passer. Tu vois d'autres personnes s'exprimer, tu te dis, mais est-ce que lui-même, il est normal? Ouais, il y a des gens dans leur expression, vous sentez des esprits. Des esprits dans leur manière de parler. Que Dieu nous aide. Amen. Prions beaucoup pour la vie. Chaque jour, moi c'est ma prière. J'ai prié pour que Dieu me donne plus douce d'amour. Je veux, parce que j'ai prié pour que Dieu me donne assez d'amour. Je veux. Ça fait mal. Mais c'est l'amour qui fait qu'on nous dit. L'amour qui fait qu'on supporte. Le côté sacré de l'homme. Si on a perçu ça. Parce qu'il faut être spirituel pour comprendre que l'homme, il est sacré. Amen. David était face à face, nez à nez. Avec son persécuteur, avec Saül, il n'a pas osé le tuer. Et Dieu nous aide. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que le monde vienne autour de nous. Amen. Alléluia. Et puis d'ailleurs, n'attendons même pas merci de quelqu'un. Si tu fais du bien qui t'attend merci de quelqu'un, pourquoi on n'a pas dit merci? C'est dangereux. J'ai compris que non, merci. On n'aime pas tout ça, les gars. Non. Faire du bien, n'attends même pas. Il m'a même pas dit merci. On n'aime pas tout ça, les gars. C'est que tu peux faire, fais-le. Fais-le. N'attends pas merci de quelqu'un. Parce que l'être lui-même, il est ingrat. Merci. Non, tu l'as fait de tout ton cœur. Peu importe comment il interprète. Or, les gens qui interprètent toujours mal les âmes des gens, c'est que eux ont un mauvais fond. Comme ils sont mauvais, ils pensent que tout le monde est pareil comme eux. Quelque chose qui fait ça en bien, lui vient, il grammatise ça. Il ne sait pas où la mettre sur l'esprit. On va souhaiter joyeux anniversaire à Lizo, on attend le Seigneur. Merci mon fils. On va souhaiter joyeux anniversaire. Chio, donne la chanson.
lui, son prénom c'est lui, donc son petit nom c'est Lizo. Lui s'appelle Archie. Non, Chilo. Ouais, parce que les gens ils confondent entre Lizo, Chilo. Lui s'appelle Archie. Il fallait que j'explique bien ça parce que les gens vous confondent. Ils confondent tout. Lizo, lui c'est lui. Voilà, donc Lizo. Lizo, il a, voilà, c'est un artiste chanteur. Zoulou professionnel, c'est pas quelqu'un qui est connu. Ça, je vous dis ça déjà, Lizo est connu. Amen. Avant même que je ne vienne même en Europe, je savais qu'il faisait partie du groupe Mercenaires, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le Zoulou. Et donc ses amis sont des amis, donc on se connaît. Alors Lizo, son histoire, moi, c'est depuis 2015. Amen. J'aimais beaucoup la loyauté de ce jeune homme, qui est mon fils spirituel. Et quand je suis rentré à Paris pour un grand programme à Noisy les Saint-Noisy, le sec, il est venu chanter à ma croisade. Amen. Ah, il m'a aidé parce qu'il dormait avec mes vidéos et tout ça. Il a une connaissance par laquelle Dieu est passé pour guérir cette personne. Et c'est comme ça, c'est parti de là et qu'il a commencé à s'attacher au ministère. Amen. Et donc, depuis ce temps, lui et moi, on est pratiquement ensemble. Amen. Donc, depuis 2015, vous voyez, jusqu'en 2009, c'est pratiquement 4, 5 ans. 4 ans. Voilà, bientôt 5 ans. Et donc, quand j'ai commencé une œuvre ici, il a décidé d'intégrer le groupe musical. Donc, c'est lui qui est. Lui, lui et moi, on a une histoire. Tu vois, les personnes sont ensemble. Il parcourt le même chemin, il faut le laisser tranquille. Amen. Il faut le laisser tranquille, ils ont une histoire. Amen. Voilà, ils ont une histoire, ils ont une histoire. Lui et moi, on a une histoire. Amen. Voilà, donc, il m'a annoncé son anniversaire, Il est aussi membre de l'église. Donc, voici le cadeau. Amen. C'est un bagage. Mon frère, où vas-tu? Tu es là, ça et là, tu te balades.
Jésus révèle, quel sera ton sort? Dans ma main, je suis qui? Je suis en train de donner un enseignement à l'Église, les dons spirituels et leurs manifestations. Amen. Vous savez, quand Dieu est quelque part, dans un endroit, il se manifeste. Amen. 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 C'est pour ça que la Bible déclare que Jésus-Christ, n'est-ce pas, si on pouvait énumérer ces miracles qu'il a fait, la Bible était trop petite pour inscrire tout ça dedans. Le parcours de Jésus était un parcours de miracles, de guérison. Jamais. Alors une église de Jésus, elle doit se reconnaître dans la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Les gens disent, mais non, pourquoi les gens ils ne donnent pas la parole de Dieu? C'est bon, nous donnons la parole de Dieu. Mais au-delà de la parole de Dieu, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul dit, mes paroles et mes discours ne se reposent pas sur les discours, mais dans une démonstration de puissance. Il faut Dieu à l'œuvre dans une église. Amen. Amen. C'est vrai, la parole de Dieu. C'est vrai, on pêche. Il peut y avoir la prédication. Mais où est-ce que tu crois que Dieu est là? Ce n'est pas des signes. Alors, la dernière fois, je disais comme ça, Jésus, la Bible dit que c'est quand Jésus-Christ a transformé l'homme en vin que ses disciples m'ont cru en lui. Ils étaient là, ils ne croyaient pas en lui. Ils parlaient, ah oui, Jésus, ah oui, je suis né. Mais c'est quand Jésus a transformé l'homme en vin que ses disciples ont commencé à croire qu'il arrive. C'est vrai. C'est vraiment lui le Messie. Alors quand Jésus rencontre les disciples de Jean-Baptiste, qui étaient inquiets, parce que Jean-Baptiste était emprisonné, allait demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui qui doit venir? Regardez la réponse de Jésus. Donc regardez la réponse que Jésus donne, n'est-ce pas, aux disciples de Jean-Baptiste. Il dit, allez rapporter à Jean-Baptiste. C'est tout vous le voyez. Vous comprenez? Il dit, les paralytiques marchent. Les malades sont guéris, n'est-ce pas? Les morts sont ressuscités et après la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Ce sont les signes qui vont accompagner le Messie. On dit amen. Amen. Il y a des rapportés même à Jean-Baptiste, c'est tout, vous voyez? Vous voyez que les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités et aussi la bonne nouvelle est annoncée. Ce n'est pas seulement qu'il y a la bonne nouvelle, mais il y a les signes. C'est ça qu'il a lu le match de Marc. Il dit, voici les signes. Il y a des signes qui doivent accompagner une église vivante de Christ. Soit doit se reposer, non seulement sur la parole seulement, mais dans la puissance de Dieu. Amen. Alors, vous aimez l'église où on parle de puissance. C'est parce que Dieu est réel. Quand Dieu est réel, quelque part, il se manifeste. Amen. Il se manifeste. C'est pas seulement la parole, mais Dieu agit. Amen. On dit amen. Amen. C'est ce que je suis en train d'apprendre, c'est l'église. Et l'église où Dieu ne se manifeste pas. Moi, j'ai plus peur que le pasteur qui ne prie pas pour les malades, il y a un problème. Alléluia. Ah oui. Un pasteur qui ne peut pas délivrer quelqu'un, il y a un problème. On doit lui faire soin pour lui poser la question. Au-delà de la prédication, Jésus dit, allez guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Amen. Il dit, allez guérir les malades, chasser les démons. Un homme de Dieu qui n'est pas capable d'exercer un ministère, n'est-ce pas, seulement qui prêche, et l'onction n'accompagne pas son ministère, il faut qu'il passe à la limite. Amen. Parce que tout le monde peut aller à l'école pour sortir comme pour avoir une école de logique dans la tête, tout ça on peut aller, c'est un coup qu'on dort. C'est qui doit caractériser ton ministère, qui prouve que Dieu est avec toi, c'est le signe. Amen. Marc 7, verset 17. Frère, Marc 7, verset 17, vous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. C'est un signe. Amen. Amen. Marc 16. Verset 17. Matthieu 16. Ne soyez pas surpris si dans les églises, il y a la manifestation de la présence. C'est comme ça que Dieu doit être présent quelque part. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est la parole de Jésus. En mon nom,
Ils chasseront les démons. Très bien, c'est ça qu'on chasse les démons. Mon frère, tu vas dans une église où on chasse même pas un démon. Où d'autres m'ont dit non, ici on ne prie pas. Mais ils sont là les démons. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Pourquoi? Parce que les démons que vous voyez, c'est des démons qui désorientent la destinée des gens. C'est des démons qui sont la base de tous les maux que vous comprenez. Vous savez. Tous les maux sont derrière ça, la stérilité. Ils sont derrière même des blocages, ils sont derrière beaucoup de choses. C'est ça qu'il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous m'avez saisi? Ils parleront de nouvelles langues. Oui. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun point de mal. Ils ont dit quelque chose. On dit, ah, le prophète. Dans la Bible, on dit, moi, les saisis, c'est bon. Amen. Amen. C'est pas ça? Ah, est-ce qu'on peut saisir, c'est bon? Et puis, bon, c'est mon camarade, nous dit. Oh, amen. Amen. Le symbole, le serpent, c'est un symbole. Le symbole du diable, c'est le serpent. On dit saisir, serpent, c'est saisir l'esprit là aujourd'hui. C'est tout. C'est des trucs symboliques. Quand Dieu a dit à Moïse, va, jette ta verge, c'est devenu un serpent, c'était le diable, le pouvoir sur le diable. Hein, pourquoi lui seulement c'est afin des diables? La Bible dit qu'ils saisiront les serpents. Sinon, moi-même, quand tu me dis, il faut l'attraper, vipère, il y a réfléchi. Même si je connais ce verset. Mon cher, il y a des choses même, il ne faut pas t'amuser ça. Même si la Bible a dit. Ah, c'est la vérité. Tu vois mon camarade? Amen. C'est quand on nous dit on se voit, moi on ne peut plus, je ne peux plus rien faire. Là, je peux verger les gens pour marcher sur toi. Tu vois, dans un premier temps, je fuis d'abord. Là, tu vois mon camarade. Depuis qu'on joue un serpent, je peux échapper le serpent. Je suis désolé. Le serpent, c'est mon camarade. Quand il pique les pas, vous jouez quoi? Et pour que tu meurs. Son venin, il est mortel. Non, pas quelque chose. Non, pas. Tout passe, ça va. C'est chiant, on touche comme ça. C'est pas. Tac, tu es parti. Amen. Amen. Donc, c'est l'esprit de la sorcellerie qu'on doit, n'est-ce pas, saisir et détruire. Amen. Je reconnais que dans mon ministère, il a été empoisonné deux fois. Ça, je l'ai déjà plusieurs fois dit. Deux fois. Oui. Dans mon ministère, ça n'a pas eu d'impact. C'est vrai, physiquement, j'ai eu, ça m'a fatigué, mais je ne suis pas mort. Amen. Donc Dieu dit, voici les signes. Donc quand quelqu'un prêche l'évangile, quand quelqu'un dit qu'il a Jésus dans sa vie, ou une église, où Dieu est présent, il faut qu'il y ait des signes dans cette église. Amen. Ah non, chez vous là, on crie trop. On crie pas, on chasse les démons. Tiens, on chasse les démons. On chasse les démons. Et puis quand on dit démons, chasse les démons. Puis démons va sortir. Démons, chasse. Nous, on chasse, on ordonne vos esprits là. On ne fait pas les démons ici. Là, il dit démons, s'il te plaît, sors. Et puis il va sortir. C'est démon là, hein? C'est un démon choco ou bien? Il va dire oui, je sors tranquillement. Démon têtu, encadré. On ordonne, dit à mon nom, vous chasserez. Jésus dit, vous chasserez les démons. Donc la présence d'un enfant de Dieu qui est le représentant de l'Église sur terre doit assainir là où il est. Amen. Parce que les environs, c'est-à-dire que les endroits sont minés par des esprits. Vous allez, vous ne savez pas ce que chacun fait. Il y a des gens qui ont des esprits négatifs qui viennent, qui minent par leur esprit la réunion. Et toi, enfant de Dieu, déjà, tu brilles pour assainir. Parce que le nom de Jésus maintient les esprits. Dis amen. Pas autre chose. Je vois les gens dire de mon chicoté. Vous avez tué le gars. Il prend le chicoté. Démon, sort. Vous allez tuer la soeur. La personne qui prend, démon, sort. Et la soeur pleure. Mais ne chicote pas. Vous chicotez la soeur. C'est pas un démon. Il dit à mon nom, vous chasserez les démons. Il y a des gens, leur vie, c'est les démons. Eux-mêmes, ils ne comprennent plus leur vie. Pourquoi ils sont dehors? Pourquoi ils se comportent mal? C'est les démons qui sont dans leur vie et qui les perturbent. Quelle vie les débarque? C'est les démons. Les démons viennent pour détruire, pourrir la vie des gens. Donc, un enfant.
enfants de Dieu doit chasser et libérer les gens de cette captivité. Amen. C'est parce qu'ils sont là qu'on voit que les gens, mais attention, quelque part, en train de vivre une vie pas possible. Et les gens, ils ont un moment de lucidité, ils réfléchissent, ils comprennent que non, ce que j'ai fait, ce n'est plus moi. Je suis poussé par quelque chose. Amen. C'est vrai que la prison n'est pas transmis quelqu'un. C'est vrai qu'il y a besoin d'arrêt de correction. C'est pour permettre aux gens de comprendre, mais là, ça ne délivre pas quelqu'un désespéré. Amen. Ça ne devait pas quelqu'un désespéré. J'ai connu un jeune homme qui était venu nous rendre visite à Divo. Et ce jeune homme-là, il était dans le boutage. Oh lui, voilà, il m'a dit tellement de choses. J'ai trop vu des choses dans mon ministère. Et il gagnait sa vie pour rien qu'on s'était mis la main dans la poche. Il pouvait sortir l'argent. Il a des millions, c'est l'argent des diables manger canon. Tu sais, quelqu'un lui n'en pas son argent canon. Satan, t'as pris son argent cadeau. Ok. Donc lui, il dit, maintenant, il ne faut pas dormir. C'est la nuit, tu ne vas pas dormir dans la journée. En sommeil, la nuit et la journée. C'est qu'est-ce qu'elle dit? T'es pour la nuit, hein? C'est la nuit qu'elle dit. La nuit, elle va pour dormir. Donc, eux, ça leur dit rien dans un premier temps. Non, ils vont aller faire le boucan la nuit. Donc, ils vont les maquiller en maquille. Et dans la journée, il dort. Il a dit, bon, c'est périmé. Il faut renouveler avec ta maman. Ah! Ah, vous voyez le diable. Quand d'abord t'as donné les œufs, il va dire, non, le œuf va le rassager pas trop. Il faut donner le poulet. Il n'est pas trop rassagé. Le poulet, là, même, c'est plus doux. Il faut donner capi, bœuf, et puis l'homme. Lui, c'est où d'abord? Le diable est simple en train d'envoyer. C'est vrai qu'on est en train de jouer. Or lui, il joue le petit, il ne veut pas. Maintenant, quand il dort, il ne peut plus dormir. Quand il rêve comme ça, il se voit dans un trou, il crie. Le petit crie. Il ne peut pas dormir. Petit sieste. Il veut faire, il veut dormir. Il n'a il ne dort pas. Donc, maintenant, on dit qu'il faut donner ta maman, il ne peut pas. Il a envie de donner, mais je ne sais pas comment il a fait. Lui, il calculait. Hein? Donc, il vient chez nous. Voilà, il vient au centre. Et puis, bon, il a commencé. Le jour, il est venu au centre, le premier, la première nuit, ça n'allait pas trop. La deuxième nuit, il a commencé à dormir un peu. Et puis, il a commencé à être perturbé. On lui dit, tu es venu, pourquoi? Non, il ne dort pas. Il ne dit pas ce qui se passe. Le diable s'est réveillé. Il crie maintenant seul. Je l'ai amené dans mon bureau. J'ai dit, ce qui se passe, tu connais et moi je connais. Tu connais et moi je connais. En tant que serviteur de Dieu, tu as fait quoi? Tout le monde dort. Dieu a fait la nuit, on dort. Toi, ceux qui ne dorment pas. Et là, lui va commencer à parler. Là-bas, dans ton camp. C'est pas moi qui suis allé faire les choses, c'est toi. C'est là qu'il va commencer à parler. Frère, si je te dis ça, tu vas vomir. Mais n'enviez pas la richesse des gens. C'est-à-dire, moi-même qui t'entends de parler avec lui, c'est-à-dire, si je n'avais pas l'amour de Dieu dans mon cœur, j'allais le chasser de mon bureau. Parce que tout ce qu'il disait, je ne suis pas rentré dans les détails. C'est grave. Jouer avec quelqu'un qui met. Tu prétextes que toi tu vas prendre l'argent, aller faire quoi? Et lui, il me disait, non, tu sais, j'ai peur de toucher telle voiture, il a peur de toucher les voitures. Il a dit, non, il va te dire, je touche. Moi, mes données, voiture du diable. Lui, il dit, pardon, les voitures, je vais te donner deux mois. Vous allez là. Au nom de Jésus. C'est moi qui fais ça. Pas que ça va. Comment il parle, puis il n'est pas dormi la nuit. Mais c'est la vérité. C'est la haine du diable. C'est pas pour l'argent, la haine des sangs de l'homme. C'est cet argent-là quand vous voyez ce prétexte. Et puis il y a des gens qui prient ça pour être sanctifié. Mon frère, donne à César ce qui
Il m'explique moi-même. Je n'ai osé, j'ai envie de l'aider. Quand la parole a commencé à dormir, la nuit du sommeil, et matin, il crie, ouais, il se voit dans tout. Je suis en train de m'enfoncer dans un trou. J'ai dit, le gars, il a un problème bien. Tu sais, il y a des choses que je dois dire. Il tourne. J'ai dit, ok, je vais t'aider. Tu cherches à tuer ta maman? Il dit, ah oui. Il a envoyé plusieurs fois ses jouets. Il allait maintenant ministrer comment attacher sa maman, ses jouets. Maintenant, il fallait faire ça physiquement. C'est là qu'il a appliqué la crise. C'est-à-dire, c'est parce que vous me regardez. C'est comme ça que je me regardais. C'est-à-dire, je me regardais de la tête jusqu'au pied. Et puis j'ai dit, ah, même si on doit me posséder, lui, il est possédé. C'est-à-dire, il y a la possession de lui, là, il est plus que diable. C'est qu'on peut comprendre que ta bombe et pleurer. Parce que c'est ça, c'est un acte. Le diable, il faut donner. Il lui voulait sa mère, il faut donner. Donc il luttait avec ça, et donc il était sur le point. Donc s'il dormait bien, en quittant le sang, il partait abattre sa mère. Ah oui, il a fait ça, il allait abattre sa mère après. Ok. Je l'ai mis fait mettre en genoux. Et pendant qu'il priait, moi je coulais les larmes. Regarde Dieu, comment le diable, dans l'ignorance, va conduire ces personnes. Et ce qui me fait le plus mal, c'est les personnes qui l'ont détruit, tué, pour avoir de l'argent. Priez pour lui. J'ai demandé à sa maman de venir. Heureusement, sa maman. Et puis il a commencé à parler. J'ai préparé sa mère. Et c'est comme ça qu'elle a retrouvé le sommeil. Et ce démon a été chassé de sa vie. Il l'a envoyé dans sa vie. Donc ils me disent qu'il n'a pas cette fonction de chasser. Parce que le problème pour moi des personnes, derrière ça, il y a des esprits. Il y a des esprits. Souvent, il y a un mot qu'on ne comprend pas. Un livre d'expériment, des gens qui ont passé. Derrière, il y a des esprits qui le contrôlent. Regardez la manière dont Jésus, Judas allait tuer Jésus. On dit un esprit. On dit Satan entra en Judas. Parce que pour tuer Jésus, parce qu'il fallait lui-même Satan. Satan lui-même est entré en Judas pour aller tuer Jésus, pour vendre Jésus. Donc il y a des gens, il y a des esprits derrière ce qu'il faut. On dit amen. C'est pour ça que l'Église va être dotée d'une onction pour chasser les démons. Amen. Avant dans le ministère, il y a déjà vu des personnes qui étaient malades de la folie que Jésus a guéri. J'ai déjà vu des malades de la folie que Jésus-Christ a puissamment guéri et délivré. Amen. Donc il y a des personnes, frères, derrière leur histoire, derrière le mal qu'ils ont, il y a des esprits. Amen. C'est pour ça que l'Église doit être capable non seulement d'apporter la bonne nouvelle, mais de résoudre le problème des gens. Amen. Parce que Jésus dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Les gens m'ont dit, non, chez nous, seulement prêche la parole de Dieu, chez nous, c'est c'est vrai la parole de Dieu. Mais au-delà de la parole de Dieu, l'onction Jésus-Christ manifestait. Pourquoi l'onction ne vous accompagne pas? Pourquoi la puissance de Dieu? Pourquoi vous arrivez à exclure l'aspect puissance? Et quand quelqu'un fait ça, pensez que c'est le Jésus. C'est ce qui faisait la différence entre le ministère de Jésus et celui des pharisiens. Les pharisiens, quand ils étaient dotés en connaissance, ils prêchaient, ils connaissaient la loi. Ils avaient tout ce qu'on appelle la loi des prophètes devant eux. Quand Jésus est rentré, où les livres des Aïe, ils prêchent. Après avoir prêché, il a chassé un démon. Les gens disent, oh, comme ça existe. Oui, Jésus a envoyé ça. Donc, dans une église, il n'a pas dit seulement prêcher la parole de Dieu. Il y a aussi l'onction qui doit se dégager. Jésus dit, voici comment vous allez les récolter. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais Jésus dit, voici le signe, tu dois accompagner mes prédicateurs. Et puis toi, là où toi tu pries, on ne chasse pas les démons. Mais il y a un problème. Frère, si quelque chose n'est plus biblique, là où tu te trouves, dégage. Amen. Les gens pensent que non, c'est une question de non, mes parents, quand on entend, c'est pas ton raisonnement, c'est la Bible. Est-ce que chasser des démons est biblique? Si oui, donc ils sont dans les noms bibliques. Amen. Ils ne sont pas dépassés de la parole de Dieu. Ils sont dans la parole de Dieu. Il faut étudier. Jésus a chassé les démons, oui. Jésus a chassé les démons.
L'apôtre Paul, qui a chassé les démons, lui, il a chassé les démons. Alors Jésus même dit, voici les signes. Il faut que ça vous accompagne. À mon nom, vous allez chasser les démons. Donc celui qui le fait n'est pas démoniaque. Au contraire, il applique la parole de Dieu. On dit amen. Dans une église, là où on ne chasse pas les démons, ça y a un souci. Amen. Je ne le dis pas parce que j'ai envie de parler, je le dis parce que la Bible dit, voici, les signes qui en font pas les noms, ceux qui manquent, on puise dans la parole de Dieu. Ce qui ne sait pas dans la parole, on ne peut pas la prêcher. Alors, les gens, ils prêchent la parole de Dieu, mais ils n'appliquent pas cette parole-là. Ou l'onction des enfants, pas qu'il y a un problème. Le frère, il va à l'hôpital, on lui dit le problème que tu as, il est blessé. Le médecin, même, il vient à quelqu'un, lui dit, ton problème est blessé. Vous pensez qu'il passe la parole de Dieu, on va prêcher. Moi, prêcher, c'est lui, ça va. Non, il a besoin d'une action de délivrance dans sa vie. Il y a des esprits. Il y a des esprits qui viennent vous perturber dans votre destinée. Même dans le foyer, il y a des esprits qui vous perturbent dans votre foyer. Parce que vous ne savez pas l'un dans l'autre où sont partis. Parce que les esprits de famille menacent vos destinées. Il y a des gens qui leur rencontrent, ta vie chante qu'on part. Parce qu'ils sont des sacrifices sur l'autel de leur part. Vérité. Sans le savoir, les parents les ont déjà vendus sur l'autel de leurs idoles et tout ça. Donc il y a souci. Vous vous attendez bien. Mais à un moment donné, il y a souci. Ça veut dire qu'il y a un problème d'esprit. Ou souvent tu dors, l'esprit dit, c'est ma femme. Amen. Amen. Ça veut dire comme tu es là, ta femme est quelqu'un. Ah oui, parce que l'esprit va te dire, depuis lors, c'était ma femme. Ah oui, parce que les esprits, depuis, et l'esprit te dit, mais toi tu peux la marier, tu peux là. Moi, mais il y a longtemps, je suis dans sa vie. Tu m'as volé ma femme. Souvent les gens qui comprennent, ils disent non, mais c'est des gens d'être. Vous croyez aux esprits, ils existent. C'est pour ça qu'ils ont un nom. Satan existe, c'est pour ça qu'il a un nom. Les démons existent, c'est pour ça qu'ils ont un nom. Un nom. Amen. Amen. On m'a bien saisi. Amen. Ils existent. Ce n'est pas des choses qu'on met dans vos têtes. On croit aux gonorrhées. Non, on ne met pas dans vos têtes. On croit aux bêtises. C'est des choses qui sont réelles. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Alors, bon, souvent, tu dors et puis tu as l'impression, ou la femme, tu as l'impression que quelqu'un d'autre veut faire l'amour avec elle. Comment s'explique ça? Tu es dans le lit avec ta femme et puis tu as l'impression que dans ton rêve, le rêve que nous avons souvent, c'est des messages. C'est un message. Quand tu te réveilles, excuse-moi, tu es mouillé. Ça veut dire que tu as eu des rapports des spirituels. Ça n'arrive pas que souvent à la femme, ça arrive aussi à l'homme. Et souvent, tu n'es pas d'humeur. Tu vois ton mari, tu es fâché, vice-versa. Ou même tu es là, tu ne peux pas avoir quelqu'un dans ta vie. Quelqu'un dans ta vie, il reçoit vite, vite. Parce que c'est lui-même là-bas, vite, vite, il dit ça va. C'est-à-dire, c'est qu'il vient avec ta vie, il est parti. Amen. Amen. Oui, parce que les esprits vous empêchent. Quand vous parlez des mariages, bonjour, vos correspondants ne peuvent pas être loin. Il a fui, il s'est fini, il ne peut plus te marier. Oran, bonjour, vos correspondants ont fui, mariage, il ne peut plus te marier, il a fui. Les esprits l'ont effrayé, il est parti. C'est fini. Amen. Amen. Les répondeurs, ça va nous jeter une réponse. Les répondeurs ont donné une révélation, vous dites. Il a fui, le péché, il a fui à cause des esprits. Les gens sont. La fille est belle, le monsieur est beau, mais derrière cette beauté se cache un esprit qui te pose la question pourquoi il n'y a pas mariage. Mais pourquoi il est spirituel, frère? Il est spirituel. Et quand tu vis une situation spirituelle, il est difficile pour celui qui n'est pas spirituel de te comprendre. Et toi, tu te dis, mais je vis quelque chose, il ne comprend pas. C'est ça qui fait le mal. C'est ça qui fait mal à la personne qui vit sa chose. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Une église à ma sortie, si je le lis ici, on m'a invité dans une maison où le monsieur ne dort pas. Il ne dort pas. Dans la maison, c'est bizarre. C'est bizarre. Et lui, il voit des choses dans le mur. J'ai dit, t'as vu, les messieurs qu'on est père, mes amis. Il est malade. Lui, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il fuit. Tout ça. Et ils l'ont pris. Il allait expliquer, on dit oui, ça va, monsieur. Ils l'ont piqué. Ici, tu vois un monsieur qui dit,
Non, j'ai vu ma grand-mère au mur. Ou bien j'ai vu un chat dans le mur. On dit tiens, t'as vu un chat dans le mur? On dit depuis quand tu vas voir un chat dans le mur? Viens ici. Oh, souvent il y a des choses que tu vis qui est difficile pour la science de comprendre ce que tu fais. C'est ce qu'on appelle le spirituel. Amen. Donc le même bien commun, on a fait un dormi, après son même médicament, il laisse les médicaments. Donc il cherchait quand il m'expliquait, il pleurait. Personne ne le comprend. Il est fou. Il a perdu son travail tout ça. Il est fou tout ça. Moi je comprenais, c'est-à-dire tout ce qu'il a expliqué, je comprenais bien tout ce qu'il dit dans le monde spirituel. Et je connais les choses du monde spirituel, et il ne peut pas. C'est-à-dire même s'il dort, s'il va, il prend sa maison seule, ok, il a des problèmes. S'il doit avec quelqu'un, il peut dormir jusqu'à deux mois qu'il fait dans sa main et quelqu'un. Il voit Paris, le gars me dit pardon, vous sortez de ma maison. Il voit toutes les choses ici. Donc il était un de mes choses de 600 fils. Voilà. Alors donc, je le récupère et je le comprends, je prie pour lui, pleure, je mets en genou. Il dit, je ne suis pas malade. Je dis, si, tu n'es pas malade, mais spirituellement parlant, tu es malade. Ton spirituel est malade. Alors, ça s'est déclenché dans ma tête. J'ai dit, la dernière fois où tu es parti au funérail, c'était quand? Il me dit, tu as donné l'argent à qui? Il dit le nom de la personne. J'ai dit, c'est là, il me dit, t'es venu ton problème. Voilà. Parce qu'il y a l'homme de son prêtre, de son papa qui l'a appelé. On lui dit, mais avant de partir, il faut venir chez moi. Et puis il a dit, mais tu t'en vas, tu ne donnes rien. Ah, il dit, viens, comme tu m'as donné la lettre, fais tes mains comme ça. Je vais te bénir. C'est béni là, il a fait bien, bien béni. Ah, mon frère. Quelqu'un lui dit, il est béni, puis il voit Charles dans la nuit. Il a connu sa main naïvement. Mais c'est ça. C'est ça l'ignorance, naïvement. Il ne comprenait pas, il ne comprenait pas. Et donc je l'ai expliqué, il a commencé à pleurer. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête au nom de Jésus cette agressivité. Dans le nom de Jésus. Je libère ton âme. Je stabilise ta vie au nom de Jésus. Donc, depuis que j'ai prié pour lui, le Seigneur l'a puissamment guéri. Amen. Donc il me dit qu'il n'apprend pas à résoudre le problème spirituel des gens. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous savez que Jésus dit à un moment, vous chasserez les démons. Ne soyez pas surpris. Ce que nous faisons ici, c'est biblique. Au contraire, c'est quand on ne chasse pas les démons qui c'est anti-biblique. C'est quand on ne chasse pas les démons qui c'est pas biblique. Quand on va faire prier et puis on ne fait pas les délivrances. Non, ici, il ne faut pas qu'on tombe. Ce n'est pas question de temps. Qu'un démon est quelque part, il doit se manifester. Ah oui, il doit se manifester, frère. Le démon ne supporte pas la présence de Dieu. Amen. Non. Face à la puissance de Jésus, il doit forcément se guider, frère. Il doit reconnaître la souveraineté et la puissance de notre Dieu. Amen. C'est pas question de tomber chez vous, tomber les gens tombent chez vous. C'est pas question de tomber chez vous. C'est les démons qui sortent de vous. Et quand ça sort de vous, ça les stabilise. Il y a une certaine lucidité qui se crée. Parce que tant que tu seras possédé des démons, mais tu ne vas pas voir la vie correctement comme les autres. Tu vas toujours raisonner. Tu vas trouver que ce qui fait, c'est normal. Or, les gens savent que ce qui fait n'est pas normal, sortir, faire ceci, cela, derrière ça, c'est un démon qui te perturbe tout le temps. C'est pour ça que l'Église doit être capable de résoudre le problème de l'homme. Le nourrir spirituellement et chasser les esprits de la vie. On a reçu ce pouvoir de Christ. Il dit à un moment qu'il chasserait les démons. Amen. Il y a des jeunes pour lesquels j'ai prié, qui ont lâché la drogue. Qui ne pouvaient pas. Qui étaient à court la drogue. Qui sont allés faire des cures, tout ça. Fatigués. Ils ne pouvaient pas. J'ai fait beaucoup de boulot. Dieu m'a beaucoup aidé. C'est quand vous rentrez dans la rue que vous connaissez les vrais problèmes des gens. Les enfants de la rue, là, ils ont trop de problèmes. Trop de problèmes. C'est pour ça que quand j'arrive, la plupart parce que viennent autour de moi, vous allez voir si je les comprends. Je ne les rejette pas, je les comprends. Je les comprends, j'essaie de les aider. Aider les gens, s'il vous plaît. Amen. Amen. Aider les gens à retrouver une stabilité. Il y a des gens qui sont perdus,
le sens même, n'ont plus d'espoir. Parce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive. Prends la drogue, prie pour lui. Je lui dis, si tu veux, fume les mamans. Et a fumé les mamans. Ça vous choque? Oui. J'ai prié pour lui avant de fumer. Et a fumé. Quand il a fumé, il a passé à tout seul. Non, je n'ai pas dit non. Ah, comment toi? On a prié pour toi. Puis toi-même, je n'ai pas laissé. Tu es possédé. Tu es possédé. Et il fume. Et il a dit non. Quand il a commencé à fumer. Et puis bon, devant moi, il a laissé. Et je lui ai demandé, je reviens encore au plateau. J'ai demandé, il dit non, depuis qu'elle touche à ça, et j'étais obligé de l'aider, chercher sa famille, l'intégrer. Amen. J'étais obligé de l'intégrer dans sa famille, et j'ai compris que c'est ça. La belle-mère qui a chassé, qui se retourne dans la rue, et il y a plein de choses que je n'ai pas envie d'expliquer, et donc j'ai tout fait pour amener l'enfant dans la famille. Je l'ai dit, c'est pas moi qui délivre les gens. Si tu as envie de finir, tu. Si tu as envie, parce que j'ai dit à Dieu de t'amener dans la vie, l'esprit qui est derrière l'a déjà chassé. Alors si tu l'as dit, quand il touche, il tousse. Donc il a dit que c'est un André. Ah, quelque chose n'est pas même qu'il tousse. Tu vas pas laisser. Yes. Amen. C'est pour ça que j'ai dit. Vous comprenez? Parce que j'ai compris, j'ai convaincu que si je chassais le démon, le corps physique avait, n'allait plus accepter. Parce que c'est un esprit qui pousse à aimer ça. Parce que quand les gens vont se prostituer, les femmes vont. Parce que les gens, ça va être plaisir de se prostituer. Non, 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 non. C'est pour ça qu'ils ne jugent pas les gens. C'est un esprit qui est derrière. Coucher avec 10 personnes comme ça. J'ai pris au prière à l'avocat pour une jeune, mais qui se prostitue, c'est-à-dire, tant qu'elle n'a pas fait l'amour avec 8 personnes, au maximum 8 personnes pour être à l'aise. Elle-même est convaincue qu'il y a un problème. Parce qu'elle-même s'est dit, elle ne peut pas. Elle n'a pas vraiment un problème. Elle ne peut pas. Et elle ne peut même pas la satisfaire. Il ne peut pas. Il ne peut pas satisfaire. Avec problème, on a, est-ce que l'homme a le temps, il t'a même des récits, excusez-moi, c'est une femme pendant 8 fois comme ça. Aïe! Tu es la paix ou bien? Et Dieu vous aide. Avec tout, c'est la paix qui à tout moment tu veux. Avec tous les soucis, toi tu as le temps de chercher. Amen. Amen. Et puis toi, tu vas avec quelqu'un 8 fois de s'agiter la nuit. Ce monsieur-là, hein? Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc elle ne peut pas, elle est obligée, elle ne peut pas avoir de copains, ça, les gens viennent dans sa vie, sortent de sa vie. Nous, on a compris qu'il y avait un problème d'esprit derrière tout ça. Et du coup, on scanne le problème, on scanne le problème par la grâce de Dieu. Amen. Je demande à la femme, le premier jour où tu as des rapports, excusez-moi, elle dit c'est pas la plage. Le moment passé par ailleurs à une plage. Et c'est là-bas qu'il y a le rapport sexuel. Donc l'esprit, eux-mêmes, c'est, ça y est, là, eux, les humains qui marchaient, ils gardaient, eux, c'est son fils. Et donc un esprit est entré en elle ce jour-là. Et c'est depuis ce temps-là, elle a le plaisir de venir comme ça. Vous comprenez? Et on a commencé à prier. Dans le bureau du pasteur, on était tous en train de prier. Dans le... Elle a poussé comme une femme qui était en train de l'accoucher. Un petit alévin est sorti d'elle, dans les poètes. Petit alévin. Petit poisson. C'est si qu'il pouvait que son corps, son âme, était sous le contrôle. C'est pour ça qu'il a compris que tous ceux qui sont de la Caraïbe, tous ceux qui viennent auprès de l'eau, parce que leur cordon ombilical est lié par la sérénation. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Amen. 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 Je faisais la délivrance d'une dame à Bidon. On était des pasteurs, on était autour de cette femme, on faisait des délivrances, on priait pour elle, on chassait les démons. Ce jour-là, frère, je ne sais pas quelle prière je n'ai pas fait. C'est-à-dire, j'ai fait prier vraiment ma langue de tomber. On fait des pasteurs, chacun vient, il passe, il cherche du camp, c'est des maisons,
nous décider si, ceci décide, nous pouvons. Donc ça y est, toi-même dans ces choux là, maison, tu penses quand le vin qui sort, tu l'esprit fou, fou dehors, et puis l'autre sort, il vient, l'autre il chasse des mots tout le temps, il chante, il aime, par les mots, par tout le monde, demain là, on connaît comment il te porte, demain il te frappe, demain. Donc, nous tous on est trempés, on est trempés, on réfléchit. Le feu, on a mis. Si c'est le feu qui brûlait, ça allait tout brûler la maison. On a mis le feu, on a mis prise, on a mis gaz, on a mis des fauches, on a mis des... Frère, on a versé, si j'ai une olade, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? L'esprit dit, moi, c'est pas. Hein? Nous, on ne sait rien de pasteur. Nous, on a qu'est-ce qu'on fait? On sait rien. Ok. Mais là, il fallait une expiration. D'accord? J'ai compris que quelque chose, Dieu devait faire quelque chose dans la vie de sa soeur. Je ressens envie d'aller reprendre de l'eau au robinet. Quand j'ai fait ça, mes collègues me disaient, c'est quoi, tu fais ça encore? Depuis la démon est sorti de lui, non? L'esprit qui s'appelle Tamo. Or, chez les amis, c'est un esprit des eaux. Tamo. C'est un esprit des eaux. Ok. Donc, je prends l'eau, j'asperge sur la vie. La dame, parce qu'à un moment donné, je crois le vendredi, tous les vendredis, elle fait comme une crise de folie. Elle se met une nuit, ça vient à moitié, elle met les camoulets, si elle sait, c'est bête, c'est comme des génies. Son mari souffrait. Oh, elle le maltraitait. Vous comprenez? Alors, donc je prends l'eau, je dis, à partir de l'eau, je te retourne, je te chasse. Dès que j'ai prononcé pas, le démon est parti tout gentiment. Vous comprenez? Tout gentiment, le démon est parti. Amen. Il parlait d'inspiration. Amen. Alors, s'il était venu seulement pour dire les versets de Dieu, les versets de Dieu, quel verset on n'a pas récité? Tu connais le verset de démon? Tous les versets de la Bible étaient sortis, tous les versets de la Bible, vous avez le démon, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il fallait une action. Pour dire, l'église de Dieu est caractérisée par la puissance de Dieu. Amen. Alors, Dieu dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il faut que l'église soit capable de chasser et d'aider les gens en matière de délivrance pour que les gens puissent se retrouver. Amen. Amen. On était là sur la manifestation, on parlait du ministère prophétique. Le ministère prophétique est important, quelque part, parce que le ministère prophétique apprend à orienter les gens. Amen. Vous comprenez? C'est une orientation. Un prophète, c'est lui qui est le messager de Dieu, l'œil comme la bouche de Dieu. N'est-ce pas? Dieu l'utilise pour agir. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Tu m'as bien saisi. Amen. C'est ça le ministère. Parmi les ministères, je t'en donne par depuis le dimanche passé, le ministère du prophète. Dieu est là, il l'utilise pour te parler. Il l'utilise pour te parler. Alors, le prophète, il ne pose jamais un acte sans que Dieu ne lui parle. Amen. Non. Les pasteurs le font, hein. Ils peuvent s'élever comme ça. Mais un prophète, il va recevoir, comme il connaît sa connexion avec Dieu, il reçoit un rhéma de la part de Dieu. Amen. Il y a ce que la Bible dit, et il y a ce que la révélation nous dit. Amen. Amen. Je vais vous expliquer les trucs terre à terre. Le monsieur est venu malade, je l'ai dépassé. Ils sont venus dire à mon oreille qu'il y a un malade. Moi, ça ne m'a pas intéressé. Pourquoi? Parce que j'attends le rhéma. Or, c'est ce qui fatigue les gens. Moi, il vient depuis là, il est négat. Moi, monsieur là, je lève ma tête. Tout le monde, il y a des gens qui font pitié. Et puis, monsieur là, il est sans cœur. Je fais pitié. Or, ce n'est pas une question de pitié. Amen. Amen. Regardez, Lazare est malade. On dit Jésus, comme tu as l'habitude de dormir ici, à peine qu'il vient de partir, Lazare tombe malade. Sur le point de mourir, Jésus est resté là deux jours, plusieurs jours, et Lazare est mort. Comment vous allez comprendre ça? Si c'est vous, vous allez dire quoi à Jésus? Aux assemblées, Lazare, sans ce moment-là, Jésus dit c'est maintenant, je dois partir. Et quand il est arrivé, il a vu le comportement de ses soeurs. Elle va accuser Jésus. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en dit? Mon frère ne serait pas. C'est une accusation. Ça veut dire à part normal, c'est toi qui as dit qu'il est mort. C'est une accusation. Mais Jésus est un prophète. Il a demandé à Dieu
Il ne voulait pas agir en fonction. C'est ça le ministère prophétique. Il n'a pas voulu agir en fonction de leur manière de voir les choses. Amen. Et le temps de Dieu. Donc le prophétique, lui, travaille dans le temps. C'est ça que le prophète, quelqu'un qui doit être prophète, il doit, n'est-ce pas, apprendre à être beaucoup patient dans les actions. Amen. Amen. Ça va? Amen. Et le prophète aussi, beaucoup de discrétion maintient la vie des gens. Amen. Quelqu'un qui parle beaucoup ne peut pas exercer un ministère de prophète. Amen. Il ne peut pas. Si vous voulez exercer le ministère de prophète, parlez. Quelqu'un qui s'ingère dans la vie des gens ne peut pas exercer le ministère de prophète. Ce n'est pas possible. Ça va? Parce que Dieu va venir même te parler des vies. Tu oublies de garder ça. C'est pas obligé d'aller parler de la vie des gens. C'est pas possible parce que la vie des gens n'est pas ta vie. Dieu te donne l'explication pour l'aider. Pas pour étaler la vie des gens. Amen. Amen. Donc Jésus attend l'heure qu'il faut. Il part, on dit non, c'est lui. Et quand Jésus est arrivé, il a fait sortir la jeune. Donc vraiment, du sépulcre. Ça va? Vous savez, le ministère prophétique, il faut être patient, il faut comprendre. On m'a bien saisi. Amen. Le prophétique, il est dans les actions prophétiques. Et c'est ça qui fatigue les gens. Lui, il s'est dit, comment Dieu va le guérir? Or, les gens, eux, ont une action dans la tête. Ils se posent les mains aux gens. La première action, c'est de te toucher, commencer à prier. Alors, quelqu'un qui est dans le prophétique va se dire, comment Dieu veut te guérir? Comment la manière? Une fois qu'il perçoit ça, c'est fini, il est en action. Amen. Ça va? Amen. On va que Dieu va lui expliquer les choses dans son esprit. Il va commencer à parler dans son esprit pour dire, telle personne, voici comment je vais réagir. Ça va? Amen. Ça va? Vous pouvez continuer? Amen. 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 C'est pour ça que c'est très important. Amen. Amen. Nous allons dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 19 à 29. Je suis en train de vous montrer un peu comment fonctionne le prophétique. Ça va? Comment fonctionne le prophétique? Oui. Deux Rois, chapitre 2, chapitre 2, verset 19 à 21. 19 à 21. Donc, les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Jésus, qu'on appelle Élisée, Élisée rentre dans une ville et il y a une situation, les eaux, ils avaient des problèmes au niveau des eaux, et regardez ce que les gens disent à Élisée. Tu as vu que le séjour est bon, mais il y a un problème au niveau de l'eau, tout ça. Et le pays est stérile. Et le pays est stérile, rien de produit là. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Apportez-moi un plat neuf. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a demandé un plat. Mais quel rapport y a-t-il entre l'eau et amère et puis le pays est stérile? Il y a un rapport, un plateau, il dit, apportez un plateau neuf et mettez-y du sel, n'est-ce pas? Oui, du sel. Okay. Et il le lui apportait. Il lui apportait, d'accord. Il allait vers la source des eaux. Il allait vers la source des eaux. Et il jeta du sel et dit. Il jeta du sel et dit. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en conviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies. Jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Amen. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Est-ce que Élisée allait organiser une séance de prière? Non. En temps normal, quand on dit un homme de Dieu et qu'il y a une délivrance, en temps normal, on va organiser une période de prière. Mais l'homme de Dieu, le prophète est comme une clé. C'est pour ça qu'il ne doit pas être distrait. C'est pour ça qu'il ne doit pas être pressé pour agir dans les actions. En ce moment précis, ce qu'il vient de faire, c'est ce qu'on appelle action prophétique. Amen. Une action, mais inspirée de Dieu pour résoudre la problème. Amen.
j'assainis. Vous savez, c'est pas comme Dieu. Et puis c'est ce que ça le prophétique. Dieu met son esprit en toi et tu parles, c'est Dieu qui est en train d'agir. Amen. C'est pour ça que quelqu'un qui est distrait ne peut pas servir Dieu. Quelqu'un qui s'ingère dans la vie des gens ne peut pas servir Dieu. Et regardez, sa maîtrise qu'il a eu. Il a réfléchi. Dieu lui dit, fais tac. Comprenez? Ça n'a rien de sorcellerie. Mais c'est ce qu'on appelle action prophétique. C'est une inspiration qu'il a reçue. Ça va? Alors quand vous allez rencontrer un serviteur de Dieu qui est dans le ministère prophétique, il va te conduire dans ce domaine-là, forcément. Et regardez Jésus dans le chapitre, dans l'évangile de Jésus, chapitre 9. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, je parle dans le Nouveau Testament pour que vous puissiez mieux comprendre l'action de Jésus. Alors vous allez me dire, ça c'est Élisée, ça c'est l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, le chapitre 9. Oui, quel. Le premier chapitre, le premier verset, on dit. Je vais passer de quel. L'évangile de Jean, le chapitre 9. Jean. Chapitre 9. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, quand tu aimes à lire la parole de Dieu, d'accord? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. On dit avec quoi? Un aveugle de naissance. Monsieur est aveugle de naissance, il le regarde. Ok. Ses disciples lui firent cette question. Ses disciples étaient papa tout. Rabbi. Papa, c'est comme ça. Dans les oreilles, papa, c'est comme un concret que vous parlez. Rabbi, qui a péché cet homme? Non, c'est pas possible. Comment le monsieur, comme ça, les disciples posent la question de Jésus. Qui a péché cet homme? C'est lui qui a péché. Bah, est-ce qu'il vit à ce tour terrible? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Souvent, il y a des choses qui varient. Ça ne dépend pas de toi, mais Dieu veut manifester sa gloire. Dis amen. Amen. Souvent, il y a des choses qui varient. Tu dis, mais pourquoi ça m'arrive? Souvent, Dieu permet ça pour manifester sa gloire. Allons-y. Amen. Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Le vite. Le 26. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'après avoir dit cela, Jésus cracha à terre. Il a craché. La salive. Il n'a pas pu saluer ça d'ailleurs. Il crache à terre. La terre. Elle fit de la boue avec sa salive. Encore, ça devient grave. Il fait de la boue avec sa salive. Jésus. Ok, non, s'il te plaît. Doucement. Ce que Jésus est en train de faire. Attends. Qui est Jésus-Christ? Je pose une question, peut-être banale. Qui il est? Hein? C'est qui? Très bien, le Messie. Mais face à un malade, qui il est Jésus? Non, il est la guérison. C'est lui la guérison. Dis amen. Amen. La question du sauveur. La femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans, elle dit, si je pouvais toucher son vêtement. Amen. Amen. Vas-y, c'est la guérison. Dès qu'elle ne touchait pas, il y a un miracle. Ah oui. La paix des sens est à arrêter. Donc Jésus, c'est lui la guérison. Mais pourquoi Jésus, qui est la guérison, crache? Non seulement ça salit, il fait la boue. Il ne savait pas. Hein? Allons-y. Puis il applique cette boue sur les yeux. Il applique la boue sur les yeux de la. Veuve, il met ça sur les yeux de la vie. Pac! Et ben, si Jésus faisait ça de nos jours, ils allaient le prendre pour un féticheur aimable. Vous comprenez? Salut. Moi-même, je n'ai jamais mis salut sur lui. Mais Jésus a mis ça salut. Puis la boue, où il y a toutes sortes de bactéries. La boue, il met ça pique. Pourquoi il ne le guérit pas? Comme il a guéri d'autres malades. Comme Bartimée qui était aveugle. Bartimée est aveugle. Jésus dit que cela soit fait selon ta foi. Bartimée a été guéri. Pourquoi cette fois-ci, ce malade-là, tu le fatigues, tu mets ta salive? Ah. Allons-y. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous comprenez un peu le message? Amen. Est-ce qu'on comprend le message? Amen. Vous voyez, non seulement ce monsieur est aveugle, c'est-à-dire qu'il ne voit pas, n'est-ce pas? Et puis encore, il vient aggraver la situation, il met la boue sur les yeux. Ça ne s'arrête pas, il dit va. Quitte ici, va jusqu'à la tour Eiffel.
tu marches jusqu'à la tour Eiffel, il va dire, Seigneur, si tu vas me guérir, c'est bon. Hein? Hein, c'est ça devient compliqué. Pourquoi mon problème devient compliqué? Parce que ton problème, c'est pas pareil. C'est lui le maître de la création. Celui qui gère la situation. Celui qui décide comment il fait de ta vie. C'est pour ça que les choses ne sont pas pareilles. Les gens sont tout. Non, mais pourquoi c'est comme ça que les questions que vous posez là, la même personne pourrait poser ces mêmes questions. Vous voyez, voici quelqu'un qui pose la même question qu'un incrédule peut poser. Quand un acte prophétique est posé dans la vie de quelqu'un, les gens se posent beaucoup de questions. Et bien le monsieur, on pose un acte prophétique dans sa vie, il est resté muet, sans parler. L'action prophétique nécessite l'obéissance. En m'appelant les discuteurs de Dieu. Le monsieur lui dit, va. Près de la piscine, il dit quoi, il y a un numéro. Verset 5. Et il lui dit, va et lance-toi au réservoir de Siloé. Vous savez, il y a deux choses qui rentrent dans l'île des corps qui sont très puissantes. La terre et puis quoi? L'eau. La terre et puis l'eau. Ok. C'est pas la terre qui a pu vous fabriquer l'homme. Ah oui, donc c'était les pieds de l'échange. N'est-ce pas? Comprenez ça comme ça. C'est les pieds de l'échange. Dieu a les pieds de l'échange. Il y a quelqu'un qui a les pieds de l'échange. Que ce soit le foie, que ce soit les reins, Dieu a les pieds de l'échange. Amen. Amen. Donc Dieu, il applique ça sur ses yeux. Et qu'est-ce qu'il dit? Va être en contact avec de l'eau. L'eau qui est symbole de vie. C'est vrai qu'on a mis les pieds de l'échange, mais il faut que la vie entre à l'intérieur. Amen. Donc tout ce qu'on fait dans le prophétique, c'est symbolique et c'est fort. Dis amen. Amen. Ça va? Amen. Vous savez que le prophète, il est bizarre, si vous voulez. Je vous prête cette expression ce soir. Il est très bizarre. Il est incompris. C'est pour ça qu'il est toujours jugé par sa manière de faire. Si c'était Jésus, beaucoup allaient fuir pour dire ah, aujourd'hui là, c'est fétiche, mec. Là où on arrivait là, c'est fétiche. Là où on est. Non, ça. C'est fétiche maintenant, ça. Vous voyez? Pourtant, c'est écrit dans la Bible, vous ne voyez pas. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Quand quelqu'un va imiter Jésus pour le faire, vous allez voir que c'est fétiche pour lui. Oui, là-bas. Mais c'est comme ça que le prophète, il n'est pas compris. Quand il disait aller jeter l'eau, prendre du sel pour aller jeter, il n'a pas organisé une belle prière. Non, il a jeté, c'est ce qu'on appelle action prophétique. Le prophète au-delà, il a une clé, il est une clé. Chaque porte a sa clé. Chaque solution, chaque problème a une solution. Mais comment on résout le problème? C'est ça. Or, l'obéissance, c'est ça qui est le plus important. Le monsieur, lui, il est parti là-bas. Il alla et se lava et s'en retourna, voyant clair. Est-ce qu'on a bien compris le passage? Amen. On dit amen? Amen. Est-ce qu'on a bien compris le passage? On dit qu'elle est partie, c'est qu'elle est revenue après la tour Eiffel, elle a trouvé Jésus chez Arbitri, qu'elle a vu. Si c'était d'autres personnes, on dit, mais moi je ne vois pas, il marchait jusqu'à Arbitri, la tour Eiffel, puis il est venu. Elle, ton affaire là, c'est clair. Mais elle n'a pas parlé, c'est ce qu'on appelle action prophétique. Quand vous ne savez pas, il faut qu'on vous explique ça. Ce n'est pas du maraboutard, juste fétichisme. Jésus lui-même l'a pris sa saline pour procéder à une guérison d'une personne. Regardez, dans Marc 8, 28, 26, vous allez bien comprendre. Ça va? Il faut que je vous éclaire un peu, parce que les gens banalisent ou diabolisent, ils arrivent à diaboliser les actions prophétiques. Marc 8, verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Oui. Je continue. D'accord. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement. Marc 8. Marc 8. Marc chapitre 8, c'est ça? Non, on a commencé à 26. Non, Marc 8, le verset 22. 22, d'accord. Oui, Marc 8, verset 22.
Voilà, 22, c'est là-bas. Il se rendit à Bethsaïda. Vous savez, on dit Jésus se rendit à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. Très bien. Vous voyez encore, on dit qu'on amena vers Jésus un aveugle. Comprenez? Qu'on le pria de toucher. On dit à Jésus de le toucher. Vous comprenez? Souvent, l'erreur des gens, ils pensent que il faut que l'homme de Dieu touche mon malade, n'est-ce pas? Il faut que l'homme de Dieu prie pour le malade. Ça, c'est vrai, c'est l'action qu'on doit mener. D'accord? Donc, on envoie le malade et puis on dit à Jésus, touche-le. Parce que ton avis, si tu le touches, il sera guéri. Mais Jésus, en tant que prophète, en tant que quelqu'un qui a le ministère prophétique, regardez la réaction de Jésus. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Je peux se dire, merci. Il prend, on a dit à Jésus de le toucher, non? Hein? Très bien. Jésus le prend et le conduisit hors du village. Ici, hein? Hors du village. Il le conduisit hors du village. Vous comprenez? Est-ce qu'on a bien compris le message? Attends, c'était tellement simple. On envoyait malade, touche-le. Tu lui dis non. Il le conduisit hors du village. C'est-à-dire qu'il allait en dehors de Paris. Il allait. Mais attends, moi je ne m'attendais pas à ça. Oui. Tu ne peux jamais t'attendre à une action prophétique. Jamais tu ne vas t'attendre à ça. Jésus le conduisit hors du village. Regardez ce qui va se passer. Voilà. Hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Encore. Lui il met la salive, il ne prend plus la boue, il met la salive sur ses yeux. Oui. Lui imposa les mains. Il imposait les mains. Et lui demanda. Il a demandé. S'il voyait quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Il regarda et oui. Dit oui, j'aperçois les hommes. J'aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres. Très bien. Et qui marche? Jésus lui mit de nouveau les mains. Mais Jésus, en matière de guérison, il va même insister. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas étudié les guérisons, il y a instantané. Il prie pour le monsieur, du coup le monsieur, et c'est ça qui est pas mal. Venez, ça dépend. Si un homme de Dieu te dit, je donne un rendez-vous, il a prié pour toi, qu'il a un prophète, il te donne un rendez-vous. Ça dépend de l'orientation qu'il te donne. Amen. Mais pourquoi? Allons-y. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Amen. Et vit tout distinctement. Mais ça va être un léger. Pourquoi il ne guérit pas si tôt? Mais pourquoi il y a des rendez-vous? Regardez Jésus. La première fois, ça n'a pas marché, à peu près. C'est la deuxième fois qu'il a eu la guérison. Donc, ce n'est pas les choses qui sont étrangères. À la parole de Dieu. Ok. Maintenant, le problème, c'est quoi? Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. N'entre pas au village. Vous comprenez? Pourquoi? C'est ici, mais c'est souligné en rouge. Dans sa version, c'est souligné en rouge. Bethsaïda. Dans ce village-là, c'est un village maudit. Jésus a prononcé une malédiction sur lui. Il dit malheur à toi. Parce que les gens ont envoyé des prophètes vers toi et tu ne les as pas écoutés. Donc ce village-là est un village maudit. Maudit à point que dans ce village, il ne peut pas avoir des miracles de Dieu. Comment vous comprenez ça? Dieu a décidé de ne plus jamais faire de miracles là. Donc il y a des endroits où Dieu ne peut pas faire de miracles. Donc un homme de Dieu qui est prophète, homme de Dieu, n'arrive pas à se calmer. Il y a des vies que vous voyez, qui sont anti-miracles. Dis amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Il y a des gens qui sont anti-miracles. C'est pour ça que, frère, il faut éviter de mal parler des choses de Dieu. Amen. Les choses des trucs sacrés de Dieu. Évite de mal parler de ça. Ça va? Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Évite de mal parler de ça. Parce que tu risques d'avoir des problèmes. Quand tu ne connais pas quelque chose, ferme ta bouche. Amen. Dans cette ville, dans ce village, Jésus envoie des serviteurs de Dieu plusieurs fois. Les gens ne l'ont pas écouté, on les a blâmés. Donc, du coup, Dieu, dans son plan, il a ce village, il a comme ce village, comme un village maudit. C'est ça que Jésus, sachant ça, va emmener la personne en dehors du village. Parce qu'il savait, malgré l'onction qu'il avait, que s'il priait pour ce malade, il n'allait pas venir. Est-ce
Tu m'avais saisi. Amen. Ah oui, donc il faut comprendre ça. Donc un homme de Dieu d'abord, qui est sur ça que le ministère prophétique, il met du temps. La Bible dit que n'imposez pas les mains par précipitation. Les gens, ça les énerve quand leur donne, mais le prophète n'est pas Dieu. C'est un instrument de Dieu. Amen. Alors l'orientation, la pensée que Dieu lui donne, c'est ça qui l'amène, n'est-ce pas, à vous aider. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alors Dieu lui dit, bouge. Souvent que vous donnez un rendez-vous, vous n'avez pas le respect. Il ne fait pas ce oui. Pour que vous compreniez bien terre à terre. Parce que Dieu ne lui a pas encore donné un message pour toi. Or lui, là, il recherche un message. Est-ce que vous m'avez saisi? Pour t'aider dans ta situation. Donc le fait qu'il te remette à demain, il ne joue pas avec toi. Il a envie de t'aider, mais il n'a pas le message qu'il faut pour maintenant t'aider. C'est pour ça que Jésus, il n'a pas reçu la permission d'aller à vous. À vous ça? Chez Lazare, c'est là? Chez Lazare? Mais c'est ça, Bethanie. Il n'a pas eu cette révélation. C'est pour ça qu'il est resté. Le jour où Dieu va, il est parti. Il y a vouloir, et puis il y a ce qu'on appelle le réma de Dieu. Et c'est ça qui fait problème. Et ce qui fait que le prophète est incomplet. Vous comprenez? Ah, le pasteur, il peut le faire sans problème. Lui peut le faire sans problème. Il essaie, il le fait. Or, le prophète, il oublie de s'aligner à ça. Amen. Vous voyez que Jésus-même, cette guérison était progressive. Il touche le gars, il ne voit pas un peu bien, il repositionne le gars, et le gars commence à voir. Mais regardez l'action qu'il a posée. En le faisant sortir du village. Mais ça fait fatiguer les gens. Pourquoi tu les fais sortir du chétier, toi? Parce qu'il y a des territoires qui sont minés. Et il y a des personnes comme ça dans leur vie. Ils ressortent des villages ou des familles qui sont sous haute malédiction. Donc je vous ai parlé de monsieur qui est mort de cancer de foie. Cette personne était sous la malédiction. Qui faisait que même si moi j'ai prié, elle n'allait pas guérir. Les gens disent, ah, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas guérir? Mais pourquoi Jésus n'a pas guéri ce monsieur-là dans cette vie, dans ce village? Parce qu'il y avait une raison. Vous comprenez? Il y avait une raison. Ah, le prophète, il vient, il discarde. Dès qu'il discarde, il cherche à savoir les informations qu'il faut. Et puis, il donne la solution. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Vous m'avez saisi? Amen. C'est pour ça que je suis venu voir Élisée. Élisée a compris qu'il avait besoin de la caca. Voilà, bah c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'il a fait, et puis le problème est réglé. Jésus, quand on l'a entendu toucher seulement, c'est fini, toucher. Si tu le touches, c'est fini. Il dit non, c'est pas seulement le toucher, mais il faut qu'il soit guéri. Pour qu'il soit guéri, il faut qu'on quitte cet auditoire. Qu'on quitte là. Pourquoi? Parce qu'il se calme dans l'histoire de ce village, il y a une malédiction sur cette terre, qui fait que ce sort a une malédiction. Et généralement, il y a des gens. Il ne vit qu'une malédiction générationnelle sur eux. À point que même quand ils touchent quelque chose, j'ai un problème toujours. Là où les gens n'ont pas de problème, eux ont des problèmes. Parce que c'est générationnel. Donc, telle personne, c'est pas seulement chasser le démon, mais résoudre le problème qu'est la malédiction. Est-ce qu'on a dit ceci? C'est pour ça que les problèmes ne se résout pas de la même manière. La manière de prier, de faire, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'un homme de Dieu qui a une onction, qui sait d'escalier, de comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ma vie saisit? Amen. Et c'est en fonction de ça qu'il apporte une solution. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup patient pour être dans le ministère prophétique. Ça va? Amen. Non, il faut qu'il touche. C'est pas toucher ou pas. C'est de résoudre le problème. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut retarder même ta guérison parce qu'il sait que tu viens pour une guérison. Donc il peut dire à le prophète, amène-le si tard, dimanche, je veux, le guérir ici. Vous voyez, Dieu fait ça. Pour te sauver, sinon on n'a pas besoin de te faire ça. Amen. Souvent, il amène, il faut qu'il vienne chaque fois. Et puis, bon, j'ai décidé de le guérir d'ici 2 mois. Comme le prophète dit, il t'envoie tous les rendez-vous. Viens, essaie de prier pour toi, et puis 2 mois après, pas te guérir. Pas parce que, mais c'est Dieu qui décide ça comme ça. Amen. Parce qu'il te connaît. Amen. Or, pendant les 2 mois, tu fais un travail de restauration dans ton cœur. En point que pendant les 2 mois, toi-même, tu es converti. Amen. Amen. Et puis maintenant, il est guéri. Sinon, tu es malade, tu es guéri. Tu vas dans la vie, tu vas seulement. Tu es souri.
Jésus, non. Dieu veut sauver ton âme. Au-delà de la guérison, au-delà du miracle, il y a ton salut qui te reste. Vous comprenez? Donc Dieu, lui, il va laisser. Il va, c'est ce qui, parce que qu'est-ce qu'il gagne? C'est ton âme qui est sauvée, qui intéressera Dieu. On m'a dit ceci. C'est pour ça qu'il faut, l'obéissance. Il faut respecter les actions prophétiques. On va bien saisir. Ça va? Amen. Pour terminer les actions prophétiques, on va dans 2 Rois, le chapitre 5, à partir du verset 9. Pour terminer. Ça va, on a bien compris? Amen. Amen. Non, comment on fait chez nous bizarre? Mais c'est comme ça, c'est bizarre. Les actions prophétiques, c'est tellement bizarre. Vous comprenez? Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. C'est ça que lisez la Bible. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible que les gens vous influencent. Ils ont l'impression de vous influencer, vous faire peur. Or, la même chose, un verset la salive. Jésus a versé sa salive. Il a touché même plus la salive que toucher les yeux de quelqu'un. Mais est-ce que lui-même ne pourrait pas être béni quelqu'un en imposant la main? Bien sûr. Pourquoi il pense à salive? C'est ce qu'on appelle action prophétique. Jésus est notre guide, notre maître. Les actions qu'il a menées sont plus terribles que ce que nous faisons aujourd'hui. Ça va? Entre la salive même dans les yeux de quelqu'un, c'est ton salissant, c'est ça. Aujourd'hui, on dit, ah non, mais c'est ça, comment? Ben, si je commence à faire son livre, lui, hein, son pouvoir, là, il va avoir un cœur d'état. Est-ce qu'il n'est pas le Bénin? Comme si Bénin est développé. Est-ce que c'est comme ça? Mais oui. Nous, on pensait qu'on ne va pas aller chercher un pouvoir quelque part. Or, quand vous regardez le pays, même, c'est même pas avancé. On doit voir clair d'état. Peut-être que c'est la langue là, il y a quelque chose. Or, la salive dit la parole. Jésus est en train de crier au travers de la parole. Guérir les yeux. Réchanger les pièces qui sont les yeux. Mais la vérité, la parole, tout est symbolique. Donc un acte prophétique est très symbolique. Souvent c'est bizarre, oui. C'est ce qui dépasse la compréhension humaine. Mais si Dieu t'a demandé de le faire, ça nécessite l'obéissance. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer, parce que quand j'arrive aussi dans le ministère des pasteurs, je vous explique sur comment le pasteur exerce son ministère, comment l'apôtre exerce son ministère et l'évangéliste, pour que vous puissiez mieux comprendre. Quand vous avez affaire à quelqu'un, vous ne soyez pas perturbé. Ça va? Pour que vous puissiez mieux comprendre les choses. Ah, lui, il fait, ça veut dire les prophètes. Ah, ça veut dire agent prophétique. Vous comprenez? Après, je vais réaliser la prophétie, comment il doit se faire, comment il doit se comporter, comment il doit prophétiser les nations, comment il doit parler, mais je suis dans les actions prophétiques. Deux Rois, c'est ça? Oui, chapitre 5, à partir du verset 25. Puis, non, 9. 9. Voilà. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Très bien, ça c'est un passage que tout le monde connaît. On dit Naaman, qui n'est-ce pas le chef d'armée de la Syrie, n'est-ce pas, il vient malade, chrétien, il avait un problème de l'air. Alors on dit, non, c'est Élysée que le prophète, il peut te guérir. D'accord. Alors, Élysée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Voilà, ça c'est maintenant compliqué. On arrive sur une situation où c'est compliqué. Le monsieur, il est malade. Et il atteint une lettre que le prophète lui dit. Par une personne intermédiaire. C'est-à-dire, il dit à son Yazi, dit à ce monsieur d'aller plonger une, deux. Il n'a pas dit 7 fois. Une, deux, et 7 fois dans le Jourdain. Mais le Jourdain, c'est comme la Seine. Les eaux du Seine ont, c'est comme la lagune d'Abidjan. C'est pour cela que j'ai quitté pour venir. Regardez le raisonnement de monsieur. 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine. Il dit et tu seras sûr. C'est à ce moment-là, quand tu vas respecter 1, 2, 3, 4, jusqu'à 7 fois, et ta chair ne deviendra plus. Mais là, comment le prophète travaille? Frère, ce n'est pas question de tout, c'est sur la traction prophétique. Allons-y. Naaman fut irrité, fâché. Généralement, ça dit, c'est que l'action prophétique, déjà, ça dit, pour d'autres compréhensions de nos éléments, il fut fâché. Et il s'en alla. Et bien, c'est à cause de ça. En disant, voici, je me disais, il dit, voilà, vers moi. C'est qui est marrant. Ça dit, lui, il avait un système de guérison. Il s'est dit, quand je vais rencontrer le prophète,
il va me toucher, mais c'est fini. C'est fini. Amen. Amen. Oh, c'est l'heure, vous commettez souvent. Amen. Ah oui. Qu'est-ce que Dieu a fait au travers de lui? Posez-vous cette question. Comment Dieu doit le guérir? Comment Dieu doit faire? Ça, c'est très la question qu'on doit d'abord se poser. Voici, je me disais. Et voici, je me disais. Il sortira vers moi. Voilà. Donc, lui, déjà, il a déjà chez le démon. Il va sortir. Il se présentera lui-même. Il dit le prophète Élisée avec les barbes. C'est moi, Élisée. Il écarte ses yeux, il regarde. Il invoquera le nom de l'Éternel, oh, son Dieu. Oh Dieu, guéris-le. Il agitera. Oui, ta plaie. Oui, ta plaie. Ta plaie. Sors. Sa main sur la place et guérira le lépreux. Mm-hmm. Le fleuve de Damas. Il dit, bon, sa peau de Jourdain, j'ai marché pour venir ici. Mais chez moi, là-bas même. Allons-y. L'Albana, oui, et le barbare va ne va à parler des eaux de Jésus pour dire, oh, chez moi, nous l'eau est potable que le Jourdain, le moins cher de ta major, je ne faut quoi dans l'eau. Or, la lèpre est considérée comme une maladie impure. Frère, tu es impur. Il faut que de l'homme impur puisse te purifier. C'est le vénin. C'est le qu'on appelle le ce qu'on prend pour créer le sérum anti-venimeux. Quand vous voyez la maladie, vous voyez les maladies, c'est la bactérie, c'est ça? Hein? Le virus, c'est ça? Qu'on prend pour injecter. Là, le mal dont tu souffres, c'est ce qu'on prend. T'as pris ça pour mettre contre toi. La merci. Elle était inspirée de Dieu. Les médicaments, vous voyez, c'est inspiré de Dieu. Comme l'eau est ça, et toi ton corps est ça, c'est en ça qui va te purifier. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il est parti. Alors, ne va-t-il pas mieux que toutes les autres d'Israël? Si toi-même, tu continues ton bon raisonnement, ta manière de voir, tu vas rater les choses spirituelles. Tu vas rater ça. Tu vas rater. Et ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Amen. Et il s'en retournait et partait avec fureur. Et partait avec fureur. Amen. Mais c'est pour ça que le frère était souffrant. Je l'ai vu. Je ne suis pas allé directement vers lui. Non. Non, je ne suis pas allé directement vers lui. Je suis prophète. Je ne marche pas avec sous mes émotions. Ce n'est pas ça qui marche. Il y a souvent des situations que Dieu nous montre. Et on a compris. Qu'est-ce que je dois faire? La question. Ça n'a pas de réponse. Et quoi? Ça n'a pas de réponse. Ne va pas prier. Dieu peut te donner un message. Tac, tac, tac. Mais si tu n'as pas la réponse, la solution à faire, ne va pas imposer. N'essaie pas. Amen. C'est pour ça que le prophétie travaille. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Les serviteurs disent, mon frère, tu es chef d'État, d'armée. Mais ici, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas pour les militaires. Hein? Ce n'est pas pour les militaires qu'on veut que l'on veut laisser ça. Nous, on est fatigués. Quand tu vois la patronne, on est fatigué. Le monsieur dit de plonger. Fatigué. Or, lui, il n'est pas pour lui donner des ordres. Vous comprenez? Ah, il donne les ordres. Or, c'est parce que les choses changent. On lui donne les ordres. Non, il ne veut pas, mon frère. Amen. Amen. On dit, il faut laisser ton affaire. C'est pour ça que quand vous avez les temps précis, vous voulez qu'on fasse comme vous voulez, ou qu'on fait, doucement avec le prophétie. Dis à quelqu'un doucement, dis à quelqu'un doucement. Doucement. Dis à quelqu'un doucement. Doucement. Non, quelqu'un n'a pas une guérison qui est dans sa poche et qui va venir. Non, tout le monde, on veut que Dieu guérisse tout le monde. On veut que Dieu reçoive le bon de tout le monde. Mais la manière, c'est ce que Dieu communique à son serviteur. C'est ça qui est plus important. Oh, la manière peut t'énerver. Oui, ça peut t'énerver. Dès que ça t'énerve, tu perds. Tu perds le miracle. Allons-y. Mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain. Donc, en tant que maman, ça veut dire que Naaman même, il n'était pas prêt à plonger. Donc,
Donc ce sont ceux qui sont venus avec lui, là, qui ont dit, pardon. Donc il s'est dit, c'est pas pour les disait, mais si je vous écoute pas, comme on va le chemin ensemble, vous allez peut-être m'insulter petit. Or, quand vous faites chemin ensemble, puis il y a 4-5 personnes, toi seul, puis 5 personnes pas contre toi, ça fait mal. Amen. Donc il a décidé, bon, pour ne pas avoir des ennemis en chemin, de toute façon, ce n'est pas ce qui va arriver demain, donc je préfère plonger. Or, la parole était déjà dégagée, il fallait s'en couper. Donc il descend une fois, 7 fois, et quoi? Il descendit alors, et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Ouais, on dit plus maintenant Dieu, on dit selon la parole de l'homme de Dieu. Donc le prophète, il prononce des choses comme si c'est Dieu qui parlait. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Très bien. C'est ça la différence. Amen. Amen. Voilà, donc ça paraît bizarre aux gens. Mais c'est ce qu'on appelle action prophétique. D'accord. Amen. Amen. Alors, pour qu'on vous enseigne un peu le prophétie. Amen. Alléluia. Mais quand vous regardez un peu dans le système, Élisée ne s'est même pas approché de lui. Il avait déjà la solution, la queue qui parlait. La crise qu'elle va pas plonger dans le Jourdain. Après, c'est pour ça qu'il me suis déplacé. Il ne m'a même pas touché. Même pas du tout. Lui, il ne t'a pas touché. Qu'est-ce que tu voulais en lui tout? Guérison. Mais va plonger, il dit non, ça ne m'arrange pas. Vous voyez? Donc, ton nom peut freiner une action de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'on a bien saisi? Ça va? Amen. Alors, il faut que je vous explique un peu. Les gens disent, ah, c'est bizarre ce qu'ils font. Mais c'est bizarre, tout ce qu'ils font est bizarre. Si tu comprends Dieu, c'est que toi-même, tu n'es pas l'être humain. Amen. Dieu est plein de mystères et de mystérieux. Dieu, c'est un mystère. Tu le comprends, tu n'es même pas l'être humain. C'est pour ça qu'il faut être un esprit pour comprendre les choses de Dieu. Amen. Le monsieur qui est avec n'a pas parlé, discuté avec Jésus. Pourquoi toi, tu discutes? Lui, il voulait guérir. Il n'a pas discuté avec Jésus. Jésus dit, tu dis, tu vas jusqu'à la tour des frères. Tu es toujours avec. Il s'est dit, tout ce que Jésus va faire, je suis prêt à faire. Pourquoi faire? C'est lui qui a dit. Il est fait. Il est parti, c'est quand il est revenu, il a été guéri. Donc, il y a des choses dans le ministère prophétique, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que, tac, je vous donne encore l'exemple de quelqu'un qui avait Jésus prie pour lui, il ne guérit pas. Donc, comprenez que dans les actions prophétiques, il y a tellement de choses qu'on a besoin de comprendre. Dis amen. Ça va? Amen. Donc, je suis en train de nous enseigner le prophétique, comment les prophètes fonctionnent. Après, je vais le garder nous enseigner un apôtre, c'est qui? Après, je vous parlais d'un évangéliste, c'est qui? Un pasteur, comment il intervient? Un docteur, qu'est-ce qu'il fait? Pour que vous soyez éclairé dans l'Église de Dieu. Parce qu'on ne peut pas mélanger le prophète et le pasteur. Ce n'est pas le ministère pareil. Le pasteur, son ministère, il sait comment il opère. Le ministre de la Santé, il n'est pas le ministre des budgets. Lui, il compte l'argent. Lui, il fait le budget. Il pose les cœurs selon les gens. Il regarde ce qu'on cancer, ce qu'on est sujet, il va lui, c'est son travail. Lui, c'est là, son travail, là, il est comme ça. Mais on n'a pas le même ministère. Donc, apôtre, un ministère, c'est pas pareil. Comment le ministère d'apôtre fonctionne, comment le ministère de prophète fonctionne, il cherche dans le ministère prophétique. Donc, je suis en train d'expliquer, et puis je vais vous expliquer quelles sont les catégories des dons qui accompagnent le ministère de prophète. Amen. Donc, il vous explique ça. Pour que vous puissiez comprendre, quand vous êtes en face d'un ministère, vous vous dites, attaque, ça, c'est un ministère prophétique. Tant que c'est qu'on appelle le texte qu'on appelle à son prophétie. Il ne faut pas banaliser parce qu'on ne sait jamais. Amen. Ça va? Amen. Comment l'évangéliste fonctionne? C'est des choses que vous devez connaître. Dans un premier temps, comme les gens sont pleins de choses, on vous amène des choses négatives, pas vous braquez. Les gens se braquent. Ah, là-bas, on ne fait pas ça. Ça, c'est là-bas qu'on ne fait pas. Amen. Amen. Amen, c'est là-bas qu'on ne fait pas. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu est souverain. Pasteur, dis-moi le dernier verset pour qu'on termine. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 4. Ça va? Ça va? Je suis en train de vous préparer à les grandes choses. Dis amen. Pour que vous compreniez les choses, pour ne pas qu'on vous banalise. Et que vous-même, quand Dieu vous parle, soyez rassurés que c'est Dieu qui vous demande de faire telle action. Même si les gens banalisent, comprenez que vous êtes dans les normes. Dieu ne faut pas forcément, amen, forcément faire plaisir à quelqu'un. Lui, c'est comme il travaille. Ça va? 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 31. 4. 4. Il y a diversité de dons,
mais le même esprit. On dit quoi? La diversité des dons, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dons, mais ça. Mais le même esprit qui donne ça. Est-ce qu'on est en train de parler des dons spirituels, c'est la conclusion? Diversité de ministères. On dit diversité, ça veut dire beaucoup de ministères, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs. Mais le même Seigneur. C'est le même Seigneur, nous sommes au service du même Dieu. Diversité d'opérations. Très bien. Voici encore une action. Diversité d'opérations. Ça veut dire de manière de faire. Diversité. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Très bien. Amen. On a bien compris. Amen. La conclusion, ça, le 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 4. Vous allez bien comprendre qu'il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de ministères et diversité d'opérations. C'est pour ça que je vous ai pris les différentes manières d'opérer les choses avec Dieu. Comment Jésus a travaillé avec le ministère, comment Jésus guérissait les gens, comment par moi il faisait des actions prophétiques, comment les prophètes se comportaient. Et pour moi, les gens ont peur. Et non, c'est comme ça, pourquoi chez vous, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, mon frère. C'est Dieu qui travaille. Comment Jésus lui-même fait guérison, il prend la salive, mais c'est la vie des gens. Comment vous comprenez? La vie des animaux, Jésus n'a pas fait ça. Mais Jésus a fait vie. Salive. Jésus a fait ça. Amen. Amen. Voilà, donc si vous êtes dans le ministère des prophéties, vous allez voir les choses bizarres. Bizarre dans le sens où toi lui-même, c'est difficilement que tu comprends ce qui se passe. C'est pour ça que quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes serré. C'est pour ça qu'il faut qu'on vous enseigne. Pour que vous compreniez les choses de Dieu. On ne comprend pas ce qu'il fait. Mais est-ce qu'il comprenait Jésus? Frère, qui comprenait Jésus? On t'a vu. Il quelqu'un t'a touché. Et la personne est guérie. Cette personne qui prend sa lit, il met dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Les gens peuvent se poser beaucoup de questions. Mais il est rien fait. Ce sont les diversités d'eau. On peut se dire les mots. C'est bien de vous, bien aimé. Nous allons tous lever la main. Nous levons tous la main quand on prie. Nous prions ensemble le Seigneur. Et demande au Seigneur de te bénir ce soir. Demande au Seigneur de manifester sa puissance dans ta vie. Demande au Seigneur de laisser son onction, de t'accorder une délivrance particulière, de t'accorder une grâce. Thank you.
Yeah.
Prie-o-te, 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 prie-o-te
qui vient détruire une prison d'un esprit. Donc,
C'est par rapport au message que je chante de prêcher. Il dit, elle est sur le contour d'un esprit. Si on ne l'aide pas, ben, il va avoir des choses terribles demain. Et puis compléter, on pense que non, c'est les choses qui devaient arriver, c'est naturel. Or, ce n'est pas naturel. Vous comprenez? Dieu va la délivrer. Amen. Amen. Pourquoi ça? Très. D'ailleurs, les musulmans, ils croient plus à ce qu'il est fait que nous, les chrétiens. Ça, ils ont mis la vérité bien. Avec lui, il n'y a pas de problème. C'est mon cas qui voit, il a comment il fait. Souvent, il met trop sa main sur sa bouche. Souvent, il touche trop sa tête. Souvent, il touche trop ses lèvres. Souvent, il touche trop sa main. Sur quoi? Il y a quoi? Si vous parlez de puissance, là, c'est Dieu, là. Pour moi, c'est parce que c'est une vocation, c'est rien parce que c'est servir Dieu. Mon cerveau, il a fait beaucoup de choses. Mais Dieu m'a imposé son service. C'est ça qu'il faisait. Dieu m'a intelligence pour tout son assis. Vous cherchez là. Le service, c'est parce que Dieu m'a imposé ça. Lâche-la. Au nom de Jésus. Comme feu. Libère-la. Au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est une formation que je suis en train de donner à tout le monde. De l'église, parce que la mort ici, c'est une corde d'esprit. Vous comprenez? Quand vous voyez une personne inerte, comme lui, le monsieur qui était touché là, vous voyez, c'est touché là, c'est une restauration que Dieu est en train de faire dans sa vie. Tout ce qui est mort, le Seigneur est en train de restaurer. Quand vous voyez une personne inerte comme ça, ça veut dire que derrière, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de mort. Non, on ne fait pas. Qui fait ça? À son mari? Oui. Comme c'est lui, il n'y a pas de problème. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Comme l'achat. Au nom de Jésus. Tu vas la libérer. Tu m'attends. Tu vas la libérer. Au nom de Jésus. Il me semble que depuis 7 heures, ils sont là. Depuis 7 heures du matin. Oui, le monsieur m'a vu depuis 7 heures. Alors, depuis 7 heures, oh là là, ça, ce n'est pas bon. Je suis ici. Ça veut dire que l'esprit n'est pas sorti. Voilà, l'esprit n'est pas sorti. Généralement, quand vous voyez une personne qui est en train de dormir dans la nuit, qui sont subjectifs, qui se croisent comme ça, c'est une pratique mystique. Normalement, quand toi, être humain, tu dors. Bon, je n'ai même pas quelqu'un de telle expérience, je l'ai seulement fait une fois, il y a eu des problèmes. Quand quelqu'un n'est pas dans la sorcellerie, quand tu touches tes pieds comme ça, tu as l'impression de t'étouffer. Bon, moi, l'occasion de parler des signes, tout ça. Amen. Voilà, des trucs, tout ça. Donc, ce qui se manifeste, c'est un esprit. Ça y est, dans le spirituel, beaucoup de choses sont déjà produites. Et donc, Dieu est en train de chasser l'esprit. Parce que parfois, nous marchons avec les esprits sans le savoir. C'est pour ça que Jésus dit, à mon nom, vous chasserez des démons. Il faut les chasser. Supposons que les démons sont là écouter la parole de Dieu. Et tout n'a pas prié. Même tout n'a pas cet esprit. Vous comprenez? Ça ne résout pas le problème. Elle va retourner avec les esprits et le diable verra ce qu'il veut. Et là, on ne chasse pas les démons sont là, ils sont installés. Ils sont contents, ils écoutent la parole de Dieu. Mais une fois ils sont touchés, c'est pour ça que dès qu'on a touché, c'est la force de l'onction qui fait que on communique. Parce que c'est une décharge de force. C'est la puissance de Dieu qu'on sert du diable dans un corps humain. Alors le diable a besoin de céder. Et donc quand le diable cède, on a l'impression que la personne tombe. Donc le diable ne se sent pas déséquilibré. Voilà. Et donc, ne délivre pas. Quand c'est comme ça, il faut ordonner au démon de partir. Parce que de tomber, déjà on a identifié le démon. C'est un esprit des morts. Okay? Et ça, c'est une école. Parce que c'est important de vous former, vous tous. Nous sommes tous appelés à exercer le ministère de Christ. Amen. Une église où un homme de Dieu ne forme pas ses disciples, ses membres, c'est une secte. Où celui qui touche, il doit tout faire, comme s'il connaissait tout. Il doit prophétiser, il doit prier pour les malades. Celui qui connaît tout, c'est un problème. C'est un problème grave pour l'Église. Or, à chacun d'entre nous, il y a des dons cachés. Amen. Vous comprenez ça? Je vous dis la vérité. Il ne faut pas te négliger. Et ça, je suis en train de réveiller quelque chose en toi pour dire que tu n'es pas venu à l'Église comme ça. Tu es utile pour l'œuvre de Dieu. Il y a quelqu'un qui est utile pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi les gens vont vous aider pour dire non? Non, toi, qu'est-ce que tu peux faire? On ne peut rien faire, on fait tout par la grâce de Dieu. Amen. On fait tout par la grâce de Dieu. Amen. Si on ne peut plus vous former, c'est quand même un ministre. Il y a un problème. Jésus lui-même, il a formé les gens. Vous les laissez, il a formé. Il faut former les gens.
Il faut leur apprendre ce qu'on appelle l'onction. Il faut leur apprendre comment on chasse un démon pour que les mains puissent eux-mêmes se défendre. Comprendre qu'ils sont en face d'un esprit. Comment faire exercer? C'est pas tout le monde le prophète. Il y a un démon, j'ai vu un démon dans le couloir ici. Alors, maintenant, s'il dort. Tu as fait comment? Ah ben, j'ai dormi. Le sommeil là, c'est trop doux souvent. Amen. Tu fais comment? Oh, la Bible, pour un moment, vous chassez les démons. Amen. 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 Le monsieur, pendant que je priais, c'est une vie. Vous voyez, c'est l'onction que Dieu est en train de communiquer au monsieur pour restaurer tout en lui, pour tout rétablir en lui. Amen. Amen. La puissance de Dieu te guérit, madame. Tu reçois la puissance de Dieu. Et je commande aux esprits de te libérer au nom de Jésus. Demande-lui votre mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande. Non, vous parlez quoi? Français? Vous parlez français? Hein? La parole est venue parler? Non, vous parlez français. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, demande-toi. Ah oui. Je sais pas ce qui se passe. J'ai Hein? Je sais pas. Tu as senti quoi dans ton corps? Quand il m'a touché, il a senti comme le pied me dégoûte. Je me sens faire. Mm-hmm. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas où tu t'es. L'enfant est né, il défait pas. Voilà, il défait chaque deux jours, pas deux semaines. Oui, oui. Chaque deux semaines. Quand je suis venu, je rentrais dans la salle, ils m'ont interpellé. Ils m'ont. Mamie, pardon. Très bien. Chaque deux semaines. Il me semble que j'envoyais une fille à Dubo qui a fait des aveux. Et moi, je n'étais pas là. Comment vous êtes arrivé à Dubo? Comment tu as envoyé l'enfant à Dubo? À Dubo, non, c'est par rapport à ton vidéo. Oui. Dans YouTube. Oui. Et j'ai appelé les parents qui n'ont pas allé à Dubo avec l'enfant. Parce qu'on a fait plusieurs fois. Alors, avant de venir chez moi, l'enfant avec quoi d'abord? Il avait ce passé. Comment vous avez su? Bon, depuis longtemps. Et mon papa a su ça. Ah, ton papa a su? Oui. Comment il a su? Il y a les gens qui l'ont dit. C'est les gens qu'on dit. Ouais. Et lui, il a fait quoi? Un enfant, il est sorti. Et l'enfant a reconnu? Oui. L'enfant a reconnu qu'on a demandé un enfant. L'enfant, il a fait un développement et il a sorti. Ils sont allés avec les gens. Ils vont faire laver les têtes. Ah, on va laver les têtes? Oui. Tout le monde, ça n'a pas marché. Ils ont envoyé encore. Il y a un gars qui était habitien. C'est un habillé. Lui, il est allé la laver pour arriver les. Il commence, il faut être, tout cardinal, tout ça. Ça n'a pas marché. Malgré tout ça, ça n'a pas marché. Mais ça va là encore. Toujours, moi je vois quand j'ai le dos, j'ai rêve bizarre. Quel bizarre. Ah non, rêve là c'est faux. Tu dis Dieu. Souvent, il y a des gens qui sont en train de me dire, moi j'ai fait combat avec les gens. Très bien. C'est très important. Souvent, tu sais avec une femme, mais tu ne les connais pas. Bon. Elle aussi, moi, avec elle, là, toujours, on fait les tirs. C'est bien, toujours, on va discuter. Ça ne peut pas finir. Ça, sûrement, ça aide à te dire que je ne comprends rien. Et
moment que tu fous voyager pour aller travailler quelque part. Et donc la vie, quoi? Elle va te tuer, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ce que je voulais. Voilà. Donc au fait, il m'a interpellé. Toute la famille. Donc je n'avais pas le dossier en main. Je pense qu'il m'a fait écouter les audios, mais je n'avais pas le dossier en main. Je ne connais pas. Toute la famille, il a encerclé toute la famille. Pour les détruire. Pour les détruire. Ben, à partir d'aujourd'hui, j'annule le décret de mort. Ici, vous, et celle de votre famille. Amen. Et la puissance de Dieu restaure vos vies. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Comme je disais tout à l'heure, qu'on va se voir, remettez-moi le dossier. Je dois scanner la suite, d'accord? D'accord. Parce que ceux qui sont là-bas sont comme des infirmiers. Hein? C'est vrai que je suis le médecin. On a envoyé un enfant là-bas. C'est comme ça, pour l'envoyer en clinique. D'accord. C'est une clinique spirituelle, mais. Mais c'est une clinique spirituelle. Comme je ne connais pas le dossier, voilà, je ne connais pas le dossier. Voilà. C'est fini. Quand on va prier le bébé. La puissance. Comment, qu'est-ce qui se passe dans la vie du bébé? Le bébé, ça ne va pas toujours quand il est né. À un moment, il s'y est, ça vient. Il s'y est, il est bien. Les toilettes bien. Mais à un moment. Toi, tu es habité où? Tu es de où? Dans quelle nationalité? Je suis Burkina Faso. Ok. Quand l'enfant est né, tu vas aller à la chaîne et tu viens de faire. Mais la maman de l'enfant, c'est qui? L'enfant là. Sa maman, c'est une fille Annie. Elle a bien. Ça, c'est vrai, il est Burkina Faso et Annie. C'est Chibouya, Chibouya qui est terrible. Hein? Beaucoup d'oignons, l'assiette, ton mal frère. Quand je suis voyagé, oui, parle de l'enfant maintenant. Voilà. Je suis parti au village pour aller travailler. Ma femme m'a appelé que l'enfant n'existe pas. L'enfant il est où? L'enfant il est venu au. Comment c'est l'enfant? Non, où il est? Ici. Oui, il est venu ici. Oui, l'enfant. Il m'a appelé que l'enfant n'existe pas. Ça fait deux jours que l'enfant n'existe pas. Bon. Quand il est venu, il va faire la salle bien. J'ai voyagé, là, c'est arrêté. Je suis voyagé pour venir. Et on a tout fait, j'ai appelé papa pour demander. Il faut aller voir quelqu'un. On dit que c'est un enfant qui a pris. Donc, quand quelque chose se passe, vous voyez papa, il va regarder un peu. Oh bon. C'est votre tradition. Non, si, si, mais c'est la tradition. Je vous quand. Non, je sais, j'ai compris. Comme si vous avez vu que c'est un problème spirituel, il faut aller regarder dans les Canaries. Oui. C'est ce que je veux. Je veux comprendre. J'ai compris ce que tu as dit, mais moi j'explique ça bien. Donc comme ça ne va pas, la femme ne va pas bien, on regarde la Canaries. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On dit, oh, c'est la petite sorcière qui a voté. Oui, je sais. Voilà. Vous m'avez dit que la petite sorcière qui a bloqué, qui fait que l'enfant ne va pas, c'est... Oui. On dit qu'il avait une question de un bout de noir dedans. Oui. Pour, comme mot de femme. Ok. Ouais. Et donc l'enfant a des douleurs, vous sentez que l'enfant a des douleurs. Oui, vraiment, il ok. Vous croyez que Dieu peut délivrer l'enfant? Oui, voilà. Franchement, comment vous faites? Dimanche, je vais venir en témoignage, d'accord? Amen. Amen. Je crois à la puissance de Dieu. Que tout pouvoir mystique. Ce bébé innocent, il ne sait pas ce qui se passe. Mais nous croyons que tu es capable de guérir et de délivrer. Nous avons cette foi. C'est pour ça que je commande à tout ce qui a été fait dans la vie de ce bébé de quitter au nom de Jésus-Christ. Et la puissance de Dieu libère ses cœurs. Que le miracle soit opéré dans le ventre de ce bébé. La gloire de Dieu est communiquer. Voilà, la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Je communique la guérison et le miracle. Amen. Et je me déclare guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, c'est fini. C'est tellement simple comme ça. Amen. Dimanche, tu viendras dans ton langage. Amen. 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 Thank you.
Yeah.